Bulls, les Knits et les Sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Club Poker Radio, la radio du poker avec Comanche et Chichi. Club Poker Radio, la radio du poker. Club Poker Radio. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Comment sur Club Poker Radio en direct, comme toutes les semaines, et en compagnie de Chichi. Coucou Chichi. Coucou Comment. Chichi. Chichi, l'amoroso. Ça va bien? Ça va très bien. Alors cette semaine, une émission qui fleure bon les copains, qui fleure bon le, qui fleure bon l'été. T'es en train de dire c'est une émission pour tout public? Elle a qui fleure bon la retraite aussi. Les fiches, les nits et les sharks. Une émission c'est présenté par ce soir, du coup, c'est pas Winamax, c'est une autre marque. Je connais même pas le jingle par cœur. Bien sûr que je le sais. Tu veux que je te le fasse? Mais non, je vais pas le faire. Voilà. Merci. Alors, Chichi, donc niqueur d'intro depuis 2012. Voilà. Oh, depuis ma naissance. Merci beaucoup. 2012. Donc, nous avons le plaisir de recevoir Tommy Mandel. Bonsoir, Tommy. Bonsoir, Nico. Bonsoir, Chichi. Bonsoir, Tommy. Et GCM. Salut, les amis, merci. Greg Serrant-Maillard. Bonsoir, Greg. Salut, coco. Eh ben écoute, il y en a un qui a gagné des thunes et puis l'autre qui se casse. Voilà. Ah mais il a pris des pics quand même lui. Il a pris des pics, ouais. sur des 20 balles. Ouais, mais il m'a dit qu'il il a pris un pic qui valait plus cher que ce qu'il avait gagné en oseille sur le tournoi. C'est pas bon signe quand même. Seul à avoir des pics qui valent plus cher que le gain du tournoi. Ouais, parce que Tommy, t'as gagné deux fois les media events, donc ouais. à 20 balles. À 20 balles. Et le pic, ça vaut, on sait combien il vaut? Non, mais il vaut plus de 200, je pense. Ça, je sais pas. C'est plus gros. De 200. J'ai le gros et le petit. Putain, ça, la classe d'avoir un pic chez soi, putain. Et Alex Réard n'en a pas. Oh non, je le tape à chaque fois là-dessus. Alex Réard, qu'est-ce qu'il y a maintenant, Alex Réard? Vas-y. Il est en train de pleurer avec ses billets de 100 dollars. Oh non, ah, ça pique. Bon, Tommy, on va commencer par toi. Tu as fait une petite annonce il y a quelques temps. Ça y est, après 250 années passées dans ce milieu que tu affectionnes tant, ce milieu qui apporte tant et qui apporte tant de bonheur et de richesse, et d'amour. Et d'amour et de joie, de peine, d'abnégation, de frustration, d'émotion, j'ai envie de dire, de pleurs, de larmes. Tu as décidé de raccrocher les gants. Ça y est, ta carrière de journaliste, de couvreur. 40 ans, c'est la fin. Ton stylo, ton 40 ans de courage. Ton stylo, ton calepin. J'ai 40 ans, j'ai tout rendu. C'est un peu comme Tchernobyl quand t'es couvreur, t'as 40 ans mais t'en fais 200. Merci. Mais non. Du coup, ça y est. Ouais. Ça y est. Pourquoi cette décision? Pour faire court, j'ai l'impression d'avoir fait le tour un peu. J'ai l'impression d'avoir pris du plaisir et progressé de 2010 à 2014-2015. Et depuis 3 ans, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, d'être un peu blasé. C'est un peu... Je sais pas si c'est bien de dire ça, mais c'est la vérité. Tu t'en fous maintenant, tu peux tout dire. T'as raconté tous les flips, quoi. J'ai raconté tous les flips. En fait, j'en ai parlé vite fait avec Tapis Volant hier en MP. Avec qui ça? Avec Tapis Volant, je sais pas si tu connais. Non, on connaît pas. Et en fait, on se disait que, j'aurais aimé faire plus de vidéos sur la fin, moins de coverage. Les coverages, c'est un peu toujours la même chose. Je crois que Tapis Volant, il aurait aimé faire moins de coverage sur le début aussi. Ouais, non, c'est épuisant en fait. Tu trouves des idées, tu trouves plein de trucs au début, puis après, je sais pas, tu te démotives. T'as l'impression d'avoir tout fait. Et voilà. Est-ce que t'as l'impression de déjà avoir raconté ce As-Roi de Dame à 15 left? J'ai tout fait. As-Roi contre As-Roi qui a fait quinte flush floppé, deux As contre deux As. Quinte flush floppé. Ouais, c'est beau. Je l'ai en photo. C'est classe. Le DSO que gagne Quentin, c'était en TF. Elle est nette. Pardon? La photo, elle est nette. Elle est nickel. Pourquoi? Pourquoi ça? C'est parce qu'il fait des... C'est les blagues entre nous, ça. C'est les blagues de couvreurs. Tu peux plus comprendre, c'est fini, ça. J'ai pas compris. La bulle de Deauville, après la bulle, j'ai deux As contre deux As, un mec qui bust, je sais pas. Enfin, on a tout vu, quoi. Ouais. T'as vu un braquage? Non, t'étais au braquage de Berlin? Non. Par ouais, contre, voilà, pourquoi tu t'arrêtes? T'as pas vu de braquage? Non, t'as pas j'ai fait un PPT-X en 2011, et en fait, je suis en train de fumer une clope dehors,
Et dans le parking, je vois la BAC avec le fusil à pompe et tout. Enfin, il y a eu un gros braquage dans le parking. J'ai posté la photo. J'ai posté la photo. T'as pris des voisins, putain. Non, non, et le poste a sauté en un quart d'heure. Ah bon ? Ah, et la direction de Partouche a supprimé le poste. D'accord. Voilà. Ok, bah oui, c'est quand même pas mal ça, de vivre un braquage sur un parking, ouais. Ça arrive pas souvent. Ouais. Quand t'es on le dira on le dira jamais assez. Voilà, les parkings, c'est quand même. Les braquings. Les braquings. Petit braking. Hey, j'ai inventé un mot. Donc voilà, donc ça y est. C'est quoi ton. C'est quand du coup ta dernière date, tu pars pas à Vegas ? Ah, j'ai fini là. Ah, c'est, t'es en vacances là ? Ouais. Le calepin, le stylo. Vacances slash chômage. J'ai fini le 31 mai. Donc, ok, donc ça a commencé quand exactement ta carrière de, En avril 2010. Non, on veut le jour exact. Je sais plus. Bon, bah, bon, bah passer à Greg alors. Avril 2010, comment, pourquoi ? Alors, en fait, en 2009, je voulais absolument rentrer dans un magazine de poker. Ils m'ont tous dit non. Il y en avait plein à l'époque. Il y en avait 5. Ah bah, il y avait Poker 5. VIP, il y avait des trucs qui ont disparu. Ouais. Là, C'était Alexis Lepsker qui était dans Poker VIP, je crois, Redac Chef. Qui ? Attends, on est en quelle année là ? 2009 ? Non, 2009. C'est pour ça que je connais pas. Ouais. Putain, c'est Alexis Lepsker qui était Poker VIP ? Ouais. Putain, comme quoi, tu vois, que moi je voyais ce truc, je me disais, putain, le mec, il réussira jamais. Donc j'ai fait des interviews people de mon côté, et après j'ai contacté les magazines pour essayer de leur vendre. J'en ai vendu aucun. Et Fitoussi qui a bien voulu me recevoir à la CF. Donc première fois que je le vois. On rentre. Et il me dit, ouais, effectivement, je monte un magazine, donc Poker 52, qui vient d'apparaître, mais j'ai pas de poste pour toi. Donc, mais je monte un magazine. Et voilà. J'ai pas de budget. C'est ça. Et donc l'histoire, c'est qu'après, dans les interviews que j'ai faites, il y avait Estelle Denis qui m'invitait à une soirée à Paris. Et il se trouve qu'à cette soirée, il y avait Bruno Fitoussi. Et donc j'ai pu lui remettre la deuxième couche en disant « Bon, bah alors, quand est-ce que tu m'engages ?» Là, il était un peu plus sympa. Vous avez un peu bu, c'était le soir. Ouais, voilà, c'est ça. Ça aide. Et après, dedans, il y avait Justine Fraioli, que j'avais fait l'interview aussi. Qui s'occupait de la CF déjà, qui était à la CF. Pas du tout, c'est la cousine de Nicolas Fraioli. Elle présentait combien ça coûte, non, en fait. Mais Justine Fray, mais elle avait pas un rapport avec la CF ou avec La cousine de Nicolas. C'est juste ça. Elle a commenté des trucs, je crois. Ouais, et en fait, elle commentait les WSOP sur RTL9 avec, ouais, Bruno. D'accord. Okay. Et je l'avais aidé à faire des reviews des épisodes. Et à la fin, donc, elle a demandé à Bruno, bon, est-ce que tu peux prendre Tommy, parce que c'est le boulet. Le boulet, il faut absolument nous le prendre. Le pauvre Bruno, ça faisait... Et donc, à la troisième couche, il a dit, bon, allô, c'est bon, vas-y, c'est parti. Je sais plus quoi en faire, s'il te plaît, prends-le, Bruno. Bruno, il est dans ses bureaux, il y a un mec qui vient, non, tu dégages, il va en soirée. Bon, il y a un mec qui vient, après, il est en train de faire son émission de télé. Tu peux le prendre, bon, vas-y, de toute façon. C'est trop ça. Et du coup, c'est lui qui t'a fait rentrer chez Poker 52. Oui, c'est ça. Et donc là, c'est parti, tu fais des coverages et puis c'est parti, la machine lancée. Ouais, c'est ça. Et puis après, tu passes directement de Poker 52 à Unibet, non ? Il y a un peu de freelance entre-temps Je fais 52, je fais Live Poker en 2011. Je retourne chez 52 en 2012. C'est un peu comme passer de Barcelone au Real Madrid. Hein. Ah, j'aime quand tu dis, quand tu fais dans ce sens-là, j'aime beaucoup. Ouais, l'espagnol, en fait, c'est cool parce que ça me permettait de faire le PPT et les World Series Europe. Donc ça, c'était cool. Et après, je suis rentré chez Unibet en 2013 et j'ai pas quitté Unibet. Voilà. Donc là, t'as Unibet comme reporter officiel. Ouais. Et j'ai même fait un coverage pour CP en 2012. Et t'étais allé voir Laurent Dumont, tu avais amené des sandwichs. Un seul. Et je vous laisse deviner où c'était. À Prague. Non. Non. Pour CP. Ouais. Marrakech. Non. À Paris. Europe de l'Est. Rosvadov. Non. Non, il y a pas Rosvadov à l'époque. Pire. C'était horrible. Non, c'est là où. Mais c'est là où il y avait la room de Guillaume Darcourt. Oui, c'est ça. À Pravets. À Pravets. La Darcourt room. En Bulgarie, c'était horrible. C'était horrible. Ah ouais. Bah oui. Bah bouffe. Bouffe bien. En tout cas, ça nous a fait marrer quand t'as envoyé là-bas, quand t'es parti là-bas. En fait, tu te faisais escorter par des vigiles de l'hôtel au casino, tu pouvais rien faire, t'étais enfermé, c'était un peu mafieux quand même. Non, franchement. Ouais. C'était horrible. Les clichés comme ça, ouais. Les pays de l'Est, la mafia, tout de suite, c'est facile. C'était horrible. D'accord, bah donc toi Guillaume, Greg tu l'as, je pensais à Guillaume Darcourt. Non, je pensais à d'ailleurs Guillaume aussi. On l'embrasse Guillaume. Toi Greg, tu peux rester Tommy. Tu connais Tommy. Ne pars pas. Je crois que j'ai envie de pisser. Je repense à Pravets, j'ai envie de pleurer. Chialer, il va bien putain. On l'a perdu putain. Tommy, tu l'as croisé pareil, c'est Greg moi.
Stéphane, ah, tu l'as croisé beaucoup hein, sur le circuit, vous êtes tout le temps ensemble. On a été beaucoup ouais, sur les épreuves françaises, sur les EPT aussi, ouais. Ouais, depuis le début quasiment, ouais. Ouais, c'est un peu un des dinosaures du coverage qui s'en va, quoi. Ah bah oui, ça fait non mais c'est vrai que ça fait bizarre, ouais. Et puis c'était quand même une ibette aussi, faut le signaler, quoi. Il y a très peu de coverage de room en France. Il y a Wina qu'on connaît, voilà. Il y a PMU et il y avait une ibette, donc ça en fait encore un en moins aujourd'hui, quoi. Et Tommy, il veut vraiment pas revenir. Attends, je vais boire un petit verre, tranquille. En fait, il a mis sa bouteille de côté, putain, c'est tout ça. Mais du coup, c'est juste, ça va devenir quoi une ibette, enfin, c'est-à-dire qu'il y a plus de, si, il y a encore Alex Réard. Oui. Et puis, Alex. Mais du coup, au niveau coverage, par exemple, il y a plus rien. Bah, là, il y a Maxime Arnoux qui va couvrir le DSO Lurette la dernière semaine de juin. Qui est dans la cuisine. Qui est dans la cuisine. Donc non, ça continue. Ok. Toi, Greg, toi, t'as pas de problème tu vois, de boulot, puisque maintenant tu comptes les billets. Si, on peut parler des coverages écrits, ouais, mais moi j'ai le même sentiment que tu Tommy. Tu bosses encore, tu vas continuer à bosser. Ouais, ouais. Bah, tu prends pas ta retraite, là. Non, j'ai encore 59 trimestres à faire, je crois. 59 trimestres. Ouais, j'ai calculé, ouais. Donc, celui-là, il y en a un qui va être cher quand même. Ça va faire un gros trimestre. En fait, Greg, il m'écrit, il me dit « Ah, c'est l'émission des retraités ». Je dis « Mais pourquoi t'arrêtes ?» Il me répond « Mais j'ai jamais commencé ». Véridique, je confirme. Bon, avant de parler du boulot, on va quand même parler de ta grosse perf. C'est quand même une plutôt belle perf. C'est une jolie perf. Alors moi, déjà, première question, pourquoi tu fais ce tournoi ? Parce qu'on sort de trois coverages consécutifs. Je crois qu'il y a eu WSOP Cannes, EPT Monaco, FPO Lyon. Et puis avec Jules, on chauffe. Et j'ai en même temps mes deux anciens poneys, Pierre Merlin et Francisco, qui vont à Deauville et qui nous disent « Ouais, on prend un appart ensemble, vas-y, réserve pour nous. » Voilà, style encore team manager, même s'ils ne sont plus dans la team. Okay. la nounou, quoi. Ouais, nounou. Et puis c'est Deauville, c'est à 1h30 de Paris. Et franchement, on avait envie de toucher les cartes après quasiment 3 semaines non-stop. Il y avait eu le Pro Dream aussi entre-temps. Mmh. Donc on n'avait pas arrêté et puis on s'est chauffé. Voilà, on est allé faire le SAT avec Jules. On n'a pas pris le ticket, mais vraiment pas du tout. Et puis étant sur place, ben voilà, je me suis dit de toute façon, il faut que j'ai un petit peu de BR pour Vegas, donc c'est maintenant ou jamais, sinon je ne jouerai pas à Vegas, quoi. Putain, oh bah, voilà. plutôt bien réussi, hein. Plutôt bonne BR pour Vegas. Franchement, l'appart était sympa, on était très bien, et avec les deux petits poneys, c'était la blancheur, en plus assuré, on savait, quoi. Bon, alors du coup, racontons un petit peu parce que, alors, toi, tu joues quand même régulièrement souvent. Écoute, souvent. C'était satellite y compris de celui-là, mon troisième tournoi de l'année. Parce qu'en fait, je peux pas jouer sur les FPO, je pouvais pas jouer sur les WPT. De toute façon, là où tu bosses, quand tu fais les coverages, tu peux pas jouer. Et non, c'est quoi, une dizaine de lives par an, en gros. Ouais. Beaucoup d'online. Non. Le dimanche et le lundi, ouais, on va dire, en gros. C'est plus que la deux jours de plus que nous. Ah, moi, je joue quand même. Non. J'ai fait un tournoi hier, d'ailleurs. C'est beau. Ah j'ai fait un 100 balles. J'ai fait un hors. C'était un hors. Ah, d'accord, vous étiez 4, quoi. C'est un sit and go. C'est vrai. Ouais. Donc tu fais quand même un peu quelques sessions. C'est 2 sessions par semaine. Ouais, mais c'est comme ça, tu sais de qui tu parles, en fait, quand tu fais les articles des résultats du lundi matin sur le blog PMU. Tu sais de qui tu parles et tu les as aux tables, ouais. Mais pas énorme, ouais. 3-4 tables, plus rien. Tu joues évidemment que sur PMU. Non. Ouais, quasiment maintenant, exclusivement, parce que les Espagnols, Portugais, Brésiliens, Norvégiens et autres me saoulent un petit peu sur PS. Et de temps en temps, Wina, mais très, très rarement, quoi. Comment ça, les Norvégiens, tout ça? Et pourquoi sur PS maintenant Sur PS, il y a tout. Ils sont tous là, en fait, ouais. Même les Brésiliens. En fait, ils passent par l'Espagne. Ils passent par l'Espagne et du coup, il y a tout, c'est tellement hypocrite. Oui, d'accord, ok. Et puis donc. Je précise que je suis pas salarié PMU, c'est pour ça que j'ai le droit de jouer sur PMU. Ouais. Parce que, en fait, c'est ta boîte, t'as une boîte. Ouais, j'ai mon agence, ouais. T'as ton agence. J'ai mon agence. Ouais. Excuse-moi, pardon. Monsieur le milliardaire. Si tu veux pour la soirée. C'est pas après, très gentil pour Tommy qui est au chômage à côté, les gars. Franchement, c'est pas Tommy, il boit son verre de larmes. Je peux même pas m'inscrire au chômage, je suis encore auto-entrepreneur, là, donc je peux pas m'inscrire. Ah ouais, donc, c'est bien, auto-entrepreneur, t'as bien cotisé pour la retraite. Et Laurent, faudrait que je lui demande si je peux écrire des papiers pour CP alors. Ouais. En attendant. Il y a un tournoi à Lipietz là. Rosvadov, tu vois, c'est bien aussi. Bah oui, pour le coup, c'est bien pour Rosvadov. Non, mais je suis allé à Rosvadov, mais genre quand il n'y avait pas d'hôtel, enfin il n'y avait rien, il y avait quatre bar à pute, point bar quoi. Ah, maintenant il y a les hôtels et il y a le casino quoi. Et pour boire un verre. Et comment t'as fait pour aller à Rosvadov avant?
Bah du coup attends, il vient de te le dire. Du coup, t'es allé pourquoi? Il y avait un DSO. Vu qu'il y avait qu'un bar à pute, t'étais allé pourquoi? Il y avait un DSO. Et pas d'hôtel. Ouais, ouais, et pas d'hôtel. C'est clair. Tu dormais dans quoi? Dans quoi tu dormais? Dans une pute. Je sais pas, mais je peux te dire qu'on a fait les 4 bars en 1 heure quoi. Je sais pas, mais je peux te dire qu'on avait pas froid. Est-ce que c'était qui les on? Alors, on était une dizaine. Ah. C'était tous les Français du DSO. Dans la même pute. Ça fait beaucoup. Putain, chichi. Il s'est pas s'arrêté. Pardon, il s'est pas s'arrêté. Il est trop tôt, pardon. Ouais. C'est fou. Désolé. Et si tu veux des infos, les putes de Rozvadov, c'est celles de Prague en fait, qui descendent pour la semaine quand tu es événement. Parce que tu les avais, tu les connaissais de Prague en fait. Les gars, c'est bon. Merci pour l'instant pute suffira. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on lui a, mis comme challenge parce qu'il a dit ouais, on arrête tout ça et il n'y avait pas de tournoi. Il vient à Prague pour le péter, pour fêter ça et son départ, il se fête là-bas en fait. Ah ouais. On verra. Ah, c'est vrai que je voulais faire un Noël jour de l'an à Prague et voilà. Tu sais, après le péter. Non, mais tu sais, tu connais les histoires comme ça, on les connaît. Il va gagner le tournoi. Tu vends des parts? Nous on est sur les plans. Ah, mais pour l'instant il n'y a pas de poker là. Tu peux ne pas nous jinx s'il te plaît, ne pas nous jinx et ne pas ils dire. Rien, de, ils vont rien. Ne pas dire de qui on a acheté des parts. On va pas être au courant. Moi j'ai acheté des parts pour le main event. J'ai acheté des parts pour le main event, mais je dirais pas sur qui. Ah, je peux pas dire. Mais le mec c'est sûr, c'est 100%. Vous verrez la TF, il y a un Français qui va ship. On aura des parts. Sur tous les coups. Bon, alors juste un peu, parle-nous de ce tournoi. C'est la première fois que t'avais déjà fait de ces buy-in un peu, des 1000 balles des... Ouais, quelques-uns, ouais. Mais ouais. Pas énorme, ouais. Du coup, c'est quoi le niveau globalement? Écoute, j'ai eu la chance d'éviter toutes les grosses têtes et tous les gens que je connaissais à table. Ouais, ça doit être dur quand même. Ouais, mais c'est vraiment la chatte quoi, là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas. J'ai juste en fin de D1, je crois, où j'ai eu Aurélie Réard à ma table et. Au D2 où j'ai eu aussi une ou deux têtes connues, mais t'arrives en ta finale, tu connais un mec par son head on mob, c'était le néerlandais qui avait fait une grosse perf à l'Estrellas, enfin ex-Estrellas à Barcelone l'été d'avant. Il avait fait deuxième ou troisième, je crois, un truc comme ça. Et Param Namour, voilà, qu'on avait déjà vu sur le circuit. Et les autres, tu les connais pas, quoi. C'est un truc de dingue. Tu dis sur 1500 balles, arriver sur une table finale comme ça, c'est un rêve, quoi. C'est un rêve. Ouais, c'est un rêve. À l'époque, j'ai souvent, c'est un rêve, tu te rappelles ? Ta toute première ligne en 2009, c'était sur 1300 balles aussi. C'était à Saint-Amand, sur l'Open du Pasino, puisque je crois qu'à l'époque, j'étais encore au VAFC à Valenciennes. Exactement. Et qu'on s'était chauffé. C'est Alain Roy qui me sort 12e ou 13e, je sais plus combien je fais sur ce tournoi. Ouais. Tu fais 13, je crois. Ouais. C'est ça. 13e, ouais. Pour, ouais. C'est mine cash, quoi. Tu pars en 1008. Ouais, mais 1003. Je m'étais qualifié à 120 balles sur un SAT. Ah, bon cash, alors c'est parfait. Et Saint-Amand était en fait la première poker room en France en test. Oui, à faire du tournoi. Ouais, à faire du tournoi avant que le poker en tournoi soit homologué en France. Donc on était à 15 km et en plus c'était mes partenaires, enfin c'était un de mes partenaires principaux au VFC. Donc on était très souvent là-bas, ouais. Alors juste pour revenir sur ce tournoi, comment tu le vis là, ce tournoi, ce deep run? Genre ça doit être, t'aurais pu l'écrire que ça serait pas été aussi beau quoi. Bah, en plus c'est quoi, c'est Jules qui fait le coverage? Non, le coverage c'est tout le monde sauf Jules, parce que Jules pareil, il était venu pour jouer. Il était venu pour jouer. Donc il était dans le rail. Il y a eu un petit swap, il y a un petit truc. Il y a toujours entre nous, ouais. Ah, un petit swap. Quand ah, on est sur les mêmes tournois, il y a toujours. Il a des nouvelles chaussures. Regarde comment elles sont blanches ces chaussures. Il a pris de l'oseille. Elles sont toutes neuves, putain. Ouais, il y a toujours, c'est normal, tu bosses toute l'année ensemble, tu fais tous les streams ensemble, tu fais tous les coverages ensemble. Si tu fais pas un petit swap sur un tournoi, si tu files pas un petit 100 balles quand t'as pris 70 000, franchement. c'est la base. Allez, tiens. Ouais, donc qui pour PMU qui fait le enfin, il y avait personne parce qu'en fait, il y a plus de depuis début d'année là, il y a plus de satellites sur PMU pour les WPT. OK. Ça reviendra peut-être, mais pour l'instant en tout cas, c'est pas le cas et c'est et pour oui. ça qu'on pouvait le jouer quoi. D'accord. Après, c'est les coureurs. Par contre, il y avait tout le monde. Il y avait Steven, voilà. Il y avait Steven, il y avait Mama, il y avait Greg Huvelin. Enfin. Oui, il y avait l'équipe. Ouais, il y avait un super rail en plus. Ouais, c'était top, ouais. Et au niveau de ton tournoi, au niveau plus pokeristique. Ouais. Ça a roulé tout le long. Tout le long à 20 blindes, génial, c'était. Ah ouais, donc du coup, t'as dû mettre pas mal de fois ton tapis en jeu quand même. T'as ouais. mis la pression aux autres, quoi. Non, à part en fin de D1. Ça se passe pas mal. Je dois arriver au début de D2 avec une trentaine de blindes. Deep. T'es deep. Ouais, deep. Pour moi, très deep. Ouais, 30, non, 40 blindes. Je dois avoir 40 blindes. 40, ça va. Et je descends à une trentaine de blindes assez vite sur le D2. Et après, j'ai fait tout le D2 et D3 entre 30 et maximum 30 et 9 blindes, je crois, minimum. Ouais. Un petit yo-yo tout le temps, quoi. Ouais. Mais l'avantage, c'est que quand tu bosses là-dedans, tu connais tes tableaux, quoi. Je vais pas dire que c'est pas dur, mais
c'est à la limite pour moi moins difficile que de jouer. Décision difficile, que zone de confiance. Ouais, quoi. Ouais, t'as et après. Ça joue pré-flop. Quoi. J'ai un gros coup qui me permet de passer la bulle justement avec 40 blinds. Je fais les 8 contre les rois à 15 places de la bulle ou un truc comme ça. Donc là, tu te dis que tu es quand même en zone de confiance. Et puis après, voilà, les 2-3 coups, je suis parti à tapis. C'est toujours passé. Sauf en TF une fois, ouais, bon, c'est le coup qui m'aurait permis peut-être d'être chip leader à ce moment-là où je perds les dames contre As-Roi, mais bon. Non, c'est un rêve, franchement, ce tournoi, tu regardes palier après palier, quoi. Au départ, tu te dis, bon, bah, ça serait bien que je prenne deux fois le buy-in parce que comme ouais, ça, je vais avoir 1005 pour Vegas, quoi, ça va être cool. Après, tu te dis, putain, ça serait bien si j'avais 3-4000 quand même à Vegas pour jouer un peu et ouais. autres. Puis après, tu. Voilà, ça serait bien si j'avais 40 000 pour une nouvelle véranda. Ça serait bien. Attends, il y a un 100 000 ribas, il serait bien si j'ai 200 000 pour. Non, mais tout le monde m'a dit, ouais, tu fais pas les coverages là-bas, tu vas jouer le main et tout. Je dis non, pas cette année. Tout quoi. Sur le rouge. Je ferai comme Tommy, quand je ferai mon jubilé, je jouerai le main, ouais. Quand j'aurai plus de boulot dans le poker, je me ferai ce kiff-là de jouer le main, ouais. Je crois que Tommy est étonné, il croit qu'il va jouer le main. Moi, je fais pas ce kiff-là, en fait. Hein. Mais non, mais c'est. Après, moi, c'est mon kiff, voilà, c'est. Oui, d'accord. Joue le main event de Ça serait bien aussi, mais ça va être compliqué là. Tu dis de le fait de bosser dans cette industrie justement, de côtoyer comme ça des joueurs pros. Est-ce que tu sens que ça quelque chose qui vous a fait bien progresser? Vous parlez technique avec des joueurs un peu quand même. Ouais, on a un Chan Team Pro et justement un Chan avec. Les couvreurs. Non, avec les pros d'Unibet, les anciens pros d'Unibet. Ah, voilà. D'accord. C'est pas un mystère parce que on est très proches et on partage souvent des apparts ensemble quand on part. Allez. Et tout entre Alex, Quentin, ex-Quentin, voilà. Ouais, les anciens pros c'est Alex et Quentin. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a pas Nicolas Darvaux dans le chat. Non. Qui ça? Nicolas Darvaux. Non. Bah, il dit fold. The turtle. C'est et des non, mais pen open. Ouais, forcément, ça parle technique. Tu t'interviens pas, mais tu regardes, tu lis, tu. En fait, inconsciemment, t'imprègnes un petit peu, forcément, quoi. Parce que t'en vois passer. Ouais, t'imprègnes. Ça t'évite surtout de faire des grosses conneries, quoi. En gros. Voilà, j'ai vraiment pas la prétention et je suis très loin du niveau d'un technique, d'un Erwan Pêcheux ou autre. Mais. Il a fait combien, lui, sur ce tournoi? Attends, Erwan. Il a pas joué, il était à l'Hippoker Tour à Wichy, en fait. Erwan qui a cassé la malédiction, il a gagné un event là cette semaine, je crois. Ouais, il a pris le 220 KO progressif au FPO La Grande Motte. C'est ça. J'ai vu ça. C'était le premier tournoi du festival et il a gagné, ouais. Ouais. Il a cassé. Mais j'en ai marre parce que Jonathan Terme est plus Team Poulidor, François Tosk est plus Team Poulidor. On est en train de tous les perdre, quoi, au fur et à mesure, quoi. C'est vrai que François Tosk, il a gagné à Marrakech, non? Ouais, il a fait le WPT Marrakech. Et ouais. Jonathan, il a gagné le FPO et La Jonathan Grande Motte. Jonathan, il a pris le FPO La Grande Motte. Ouais. Ah, tu dois être content quand même quand c'était dans ancien poulain qui... Ouais, ouais. En plus, il y a une petite anecdote sur l'histoire, c'est que ça fait à peu près un mois que je le chauffe pour lui dire « viens à Vegas », parce que les Pro Dream, l'année d'après leur contrat, ils perdent tous. François Tosk, Pierre Merlin... Et souvent, la plupart des joueurs qui ont arrêté leur contrat, il y en a plein qui ont perf, quoi. Et John me dit non, je viens pas à Vegas, j'ai pas vendu, je veux pas vendre. Et je lui dis, je veux pas. Ouais, et jeudi soir, je lui dis, ok, on en reparle lundi soir. Il me fait, ok, on en reparle lundi soir. Et lundi, après sa victoire, il est venu me voir, il me dit, bon, bah, je crois que j'y suis. Hein. Et ouais, et donc il est à Vegas, ouais, il vient. Il y est ou... Non, il vient, il va partir. Non, parce que là, il repartait à Malte pour la fin de son déménagement. Et je crois qu'il va arriver vers juste un peu avant le main, quoi, pour le mini main et un ou deux peut-être tournois avant. Ouais. Alors justement, Vegas, toi, tu pars dans quelques jours, ça donne quoi? Une semaine précisément, ouais. Une semaine, ça donne quoi après cette deuxième place? Je vous rappelle, donc tu as fait deuxième pour 70 000 euros. 70 115 euros. Exactement. Et combien il y avait? Alors, il y a combien de joueurs? Il y avait 405 joueurs, 405 joueurs, un truc comme ça. Je crois. Attends, t'as lâché combien pour les croupiers? Parce que 70 115. Bah, je sais pas, mais ils m'ont tous remercié. Donc, après. Mais on travaille avec eux, c'est pas. Voilà. Mais tu sais c'était même plus. Pas, combien... Voilà, c'est non, 50 balles, ça m'a fait plaisir. Non, sûr. Tu sais même pas combien donner dans ces cas-là. Parce que la somme, elle est tellement monstrueuse. Tu donnes ce qui dépasse. Il reste 115, tu donnes 115, on va les couilles. En général, tu donnes 1%? Non, 5%. Alors, écoute, j'ai jamais fait très gros. Moi, j'ai toujours donné minimum le buy-in. C'est la base. 1 et 2, je dirais, non? Je sais pas. Ouais, c'est dans ces eaux-là, ouais. C'est entre... Ouais, 1%, c'est minimum, quoi. Je pense. Ouais. C'est bien 1%. Mais franchement, j'étais gêné parce que je savais pas. Autant tu prends, voilà, tu prends 5000, tu sais que tu vas filer 50 balles, 60 balles, 100 balles, un truc comme ça. Là, tu te dis, putain, je file combien, quoi. Et nous, c'est différent, on bosse avec eux toute l'année. C'est-à-dire, sur les streamings, c'est nos partenaires.
c'est eux qui nous mettent bien les boards, qui mettent bien les cartes à côté, qui attendent bien, pardon. Quand tu verras si le board il est en travers la prochaine fois que t'as pas assez donné. Si, 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 elle met avec, avec le doigt d'honneur comme ça là. Ouais, elle fait tourner le roi avec le wad. Et il écrit fuck, c'est comme ça, fuck, là, sur la fuck, reg, SACM. Tu sais que t'as pas assez donné là. Au FPO la grande motte, les boards étaient nickel. Merci Crochu. Il a marqué merci Crochu. Il avait une grosse bagouze, c'est bizarre, il avait une grosse bagouze. Ouais, donc avec cette, donc cette perf de deuxième, ouais. tu vas te permettre quoi comme, comme petite fantasy alors, à Vegas, bah, Vegas en fait, on en parlait tout à l'heure. Le problème, c'est que je peux pas jouer WSOP quasiment parce que tu dois rendre ton accred le temps du tournoi. Et en fait, comme nous, on enchaîne les coverages, ça va être compliqué. Va y avoir quoi? Va y avoir un 1000 et quelques au win, je pense. Et a priori, un au Venetian parce qu'ils jouent plus dans le parking, dans le sous-sol cette année. Ah, ils font plus dans, dans l'usine. Non, ils sont revenus, ils sont revenus, okay, au casino. Ouais. Et voilà, ouais, 4-5 beaux tournois. Au lieu de jouer les, voilà, au lieu de jouer les 200 balles ou les 150 balles du César, je vais monter un peu. Quoi. Après, il y a des beaux délits. Bah, celui que tu, dont tu parlais, le délit du Rio à, ouais, 235 mais... balles. Bon, il y a un milliard de joueurs, mais il y a souvent des super... Ouais, mais j'aime pas le Rio pour jouer. Je préfère... Franchement, tu joues au win. Non seulement la Poker Room, elle est magnifique. En plus, t'as la sortie du XS et du Surrender quand il y a les pool parties. C'est quand même très agréable. Ouais. Voilà, c'est pas mal. Toute la population qui rentre ou qui sort à ce moment-là. Et non, ça m'amuse plus de jouer là-bas. Ouais. Pour moi, le Rio, c'est mon bureau. Donc, mais comme beaucoup de couvreurs, hein, il y en a très peu qui jouent au Rio, en fait. Tu regardes les tapis volants, ils jouent quasiment pas, ouais, là-bas. Il joue que Downtown, lui, au Golden, voilà, il va Golden Downtown. Nugget. Ouais. On le connaît. Hein. Donc, bah, ça, et puis Marrakech, si je vais aller faire, du coup, tant que le PMU n'est pas revenu avec les WPT, je vais me faire les 2-3 destinations sympas. Dont Marrakech en septembre, puisque a priori on n'a rien à ce moment-là. Donc... Marrakech, d'ailleurs, la semaine prochaine on y sera. Il y a le WSOP Circuit, ouais, en partenariat. Enfin, c'est en partenariat. En co-partenariat avec PMU. Ouais, PMU est parti. Ouais. Du coup, il y aura des représentants de PMU là-bas. Tu auras une ambassadrice. Oui, une ambassadrice de, ouais, charme. De charme. En même temps, il n'y en a qu'une. Hein. Il n'y en a qu'une d'ambassadrice. Sherazade. Erwan Pêcheux. Erwan Pêcheux. Erwana. Erwana avec sa petite coupe de cheveux. Donc Sarah Erzali va là-bas, ouais, avant, ouais, avant de s'envoler pour Vegas. Ouais. Et ça sera couvert par Jules pour le blog PMU. Ok, donc Jules, grand retour. Viens parler un peu. Ça fait tellement longtemps qu'on t'a pas vu. Viens au micro. Au micro de Tommy. Viens avec tes chaussures blanches toutes neuves d'après Deauville. Jules, salut. Ça fait longtemps que t'es pas venu à Marrakech, non? Ça fait depuis le dernier WPT, ouais, avec PMU. Donc c'est-à-dire deux ans. Deux ans. Jules, c'est pareil, toi, tu t'étais un peu éloigné du coverage pendant un petit moment, et puis... Ouais. J'avais gardé des missions, mais il n'y avait plus assez de missions pour faire que ça, du coup je suis allé bosser en restauration. Oui, c'est ça, pour moi, et il fait quoi Jules? Bah, il travaille dans un resto. Bah, je suis parti être manager dans un nouvel hôtel à Saint-Ouen. Et ça a bien marché, je fais ça pendant un peu plus d'un an, mais à côté j'avais gardé les missions avec PMU en fait. Du coup, c'était cool. J'ai arrêté le resto et puis eu un peu plus de missions là, cette année, puisqu'on a fait WSOPC Cannes. On fait le streaming maintenant, donc c'est plutôt très intéressant. Oui, c'est vrai qu'il y a du streaming. Ouais. Il fait le streaming pour Barrière aussi. Maintenant. Ouais, on fait le streaming pour Barrière aussi, ouais, c'est ça. Pour Barrière, pour les BPT. Pour les BPT, ouais. Des BPT, ouais. Oui, c'est vrai qu'on a quand même un circuit maintenant en France qui s'est un peu élargi. Quoi. On est passé de quelques années où c'était la dèche. Maintenant, il y a quand même... Ça a un peu mieux, ouais. Ouais, tu vois, t'as les BPT, t'as les FPO, ouais, t'as les WPT, t'as les... Enfin, t'as les ouais, win-up, t'as pas mal, le middle buy-in revient, quoi. C'est ça. A toujours été là et maintenant ils refont, ouais, des c'est vraiment la grosse en avant, surtout. C'est ça qui est bien, quoi. Bien sûr. Ouais. Et puis justement, là, tu parles d'un point aussi qui est intéressant, c'est on parlait des streaming, mais ça rajoute du coup du taf pour les couvreurs qui, parce que c'est l'intérêt aussi, parce que on a l'impression que les coverages écrits, bah ça descend un petit peu, mais par contre il y a plein de choses autour qui montent, il y a Instagram, il y a les streaming. En audience ça descend pas, on reste stable sur les coverages écrits, mais c'est vrai que le streaming t'amène beaucoup plus d'interactivité, les gens sont encore plus présents. Là je crois qu'au FPO on a fait un carton sur la grande motte, un truc incroyable, on a fait 39 000 je crois sur la... Au début de la taf finale. Vu, et on avait plus de 800 personnes sur Facebook, 800, et 300. On est monté à 1100 avec Twitch et Facebook cumulés. Ouais. Tu fais pas 39 000 vues sur un coverage, quoi. Et puis tu touches des gens qui vont pas forcément regarder du poker en temps normal, quoi. Aussi. Ouais, ouais. Justement, juste Tommy, c'est pas aussi un peu ça qui t'a un peu saoulé, c'est le fait de... Déjà, t'écrivais sur le blog PMU. Voilà, qui est pas Unibet, pardon, qui est pas le tu sais que c'est pas là où tu vas avoir la plus grosse visibilité, quoi. Donc en gros tu sais que t'écris pourquoi, ça donne quoi le nombre de lecteurs? Alors, pour un énorme problème avec ça, c'est que c'est un problème de connexion. Je dois être un des seuls couvreurs à n'avoir
jamais couvert sur un forum, ce qui fait que je n'ai jamais eu de retour de ma vie sur ce que j'écris. Il y a zéro commentaire, il n'y a pas possibilité de Benjo, un jour, il m'a dit, mais en fait, tu fais une traversée de l'Atlantique en solitaire. Je dis, ouais, ça fait 8 ans que je suis dedans. Je n'ai aucun retour, je n'ai jamais eu un chiffre d'audience, rien. C'était quoi ta question ? Est-ce que ça me saoule ? Non, mais je veux dire, c'est ça, c'est en gros d'écrire sur quelque chose où tu dis, ça se trouve, il y a 15 pelés qui sont en train de me lire, ça se trouve, il y en a 50. Mais c'est exactement ça, en fait, je me rends jamais compte si j'écris, s'il y a 3 mecs qui me lisent. Je sais qu'il y a Flo-Flo, bisous Flo-Flo, qui me lit, c'est sûr. Super, en fait, j'écris pour elle, j'écris pour Flo, mais maintenant qu'elle a lancé Poker et Fort, c'est une relation épistolaire. Je sais qu'au premier post, si j'ai fait une faute d'orthographe, elle va m'écrire, je sais qu'elle va me lire, je sais qu'il y a Gloob qui lit. Et après, je sais que je vais avoir 2 lecteurs. Gloob ne lit que les boards. Et après, je sais pas si... Non, honnêtement, c'est pas de la fausse modestie. Je sais pas si on est 10 à me lire ou 100. J'en ai aucune idée. Donc, c'est vraiment très difficile. Il te file pas les... T'avais pas les stats, en fait. Non, j'ai rien. Et il n'y a jamais de commentaires. Donc, c'est vrai que quand tu fais le boulot de Vunstyle, c'est cool d'avoir l'interaction. Tu sais que t'es lu. Moi, je sais pas. Et puis t'es sur un plus gros média, Club Poker, c'est le plus gros média du poker francophone. Donc, francophone, français, francophone. Ouais, du monde, du monde, du monde. Bien sûr, c'est du le monde. Premier francophone. Du monde. Au moins, t'es sûr de pas tomber. Voilà. Mais voilà, tu sais que tu auras des retours. Oui, évidemment. Et donc ça, c'est aussi peut-être quelque chose qui t'a. Non. Bah, c'est vrai que quand tu fais une vidéo, tu as le nombre de vues tout de suite, quoi. Donc tu sais si ça marchait, pas marché. Quand tu pètes les couilles à faire un article pendant toute une nuit, genre. Un exemple concret. Une fois, j'avais fait un article sur le Darling. Je crois que c'est l'article dont on m'a le plus parlé. Alors, il y avait des photos. On a bien compris, en tout cas, tes centres d'intérêt, en tout cas. Non, mais je vais dire, ça, c'est un article qui a fait parler, tu vois, tout le monde m'en a parlé, le lendemain, machin. Le lendemain, je vais à Prague, au mur de John Lennon. Il y a un truc, un mémorial John Lennon, et j'écris 2 pages sur John Lennon, sur sa vie, sur machin. Et là, personne m'en parle, mais personne de chez personne. Mais tu t'adresses à des joueurs de poker, les putes, ça leur parle. Et justement, sinon, il y a Wikipédia pour John Lennon. Et le jour que t'as Ricardo Graels, là, le père de Gloob, qui vient me voir, et je lui raconte ça. Je lui fais, ouais, c'est chiant. Le père de Gloob. Le truc, c'est qu'on voit tous de qui tu parles, en plus. Ah oui. Tout le monde le connaît, Ricardo. On voit tous de qui tu parles, putain. Et je lui raconte ça, je fais, ouais, ça fait chier, putain. J'écris un truc sur le Darling, j'ai 200 commentaires. J'écris un truc sérieux sur John Lennon, j'ai 0 commentaire. Il arrive, John Lennon est avec nous là. Il vient d'arriver. Il y a Greg Hugla qui vient d'arriver, c'est John Lennon. Quoi. Et il me dit, mais tu écris pour les joueurs de poker. Enfin, t'es pas un artiste. T'écris pour des mecs comme ça. T'es pas c'est un normal. Artiste. C'est plaisir ça. Ah, truc t'es qu'une merde. T'écris du Non, mais c'est pas ça que ça voulait dire. Ça voulait dire genre t'es un artiste, mais tu t'adresses à des joueurs de poker. Donc vaut mieux parler des putes. Des putes que de John Lennon quoi. Bon, et d'ailleurs il y a quand même des. Moi, si on devait se rappeler d'une chose que t'as fait, c'est quand même cette interview de Liv Bory à la guitare. Ah ouais. Elle est quand même. Elle est bien ça. Ah, celle-là, elle a fait des buts quand même, celle-là. C'est pas mal. Ouais. Ah, c'était bien. Ouais, c'est un de tes bons souvenirs. En plus, tu sais que toi, t'as un bon crush sur Liv Bory quand même. Oui, à l'époque, ouais. J'avoue que. En fait, c'est la première news Pourquoi que j'ai fait. La première news que j'ai fait en Parce arrivant chez 52, c'était Liv Bory gagne l'EPT San Remo. Le plus gros gain ever en EPT. Et effectivement, ouais, je cherche qui c'est cette fille. Je vois qu'elle est mannequin, guitariste métal et tout. Je fais ah. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Et non, c'était bien vraiment 2012 faire ces interviews. C'était comme je vous disais tout à l'heure, c'était l'époque où on avait plein de trucs à faire, plein de trucs à essayer, même si ça marchait pas, on pouvait tenter plein de trucs. Et d'ailleurs, bien. Juste cette interview pour venir avec elle, ça vous a, enfin pas, je vais pas dire créer des liens, mais tu l'as quand même pas approché quoi. Non mais du coup je sais qu'après la veille elle avait vachement bu en fait. Ah. T'as écrit un article sur ça? Non. Dommage. Disons que la veille elle avait vachement bu. On a tous envie. Vas-y. Là on veut continue. On veut une chute. Là on veut une chute. Non. Alors c'est quoi la question déjà? C'est quoi la question? Donc elle avait vachement bu et donc. Non. Les liens. C'est tout. Oui, on a. Et donc, elle avait vachement vu. Oui. Oui, on s'écrivait la nuit, tout ça. C'est vrai? Non. Oui, oui. Une petite relation d'amitié, quoi. Ouais, avant que son mec arrive à Cannes. Ouais. J'ai un message de Liv Bory qui me dit: tu me manques. Putain, mais. pour moi, on était pas loin d'attraper un petit. Hey, de toute façon, c'est la fin là. J'ai fini le blanc, est-ce qu'on peut avoir du rouge ou pas? Oui, servez du rouge pour servir à boire à cet homme. De l'alcool, de la vodka, n'importe de l'alcool à 90, mettez-lui un truc.
Tu sais quoi, on y reviendra, on a une question, je vais me servir, je reviens. En attendant, on a une question dans le chat. Est-ce que t'as déjà vu un invité? Tommy, c'est le seul invité. Il va se servir. Il va se servir. Mais non, mais il y a des gens qui te servent. En fait, la dernière fois que je suis venu, c'était pas filmé, donc on faisait ce qu'on voulait, ça se voyait pas. Maintenant, on va te servir. C'est clair. En général, les invités se lèvent pas trop, tu sais, comme ça. Tu peux rester ici. Deux secondes. Attends, je vais chercher un truc en bas. Attends, on a une petite question pour Greg dans le chat. C'est je vois pas trop bien, c'est les 21. As-tu des nouvelles pour la finale du FPO à Paris? Oui, je vais chercher un truc aussi avec Tommy. Pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles pour l'instant. Tout dépend de l'ouverture des clubs. Je sais que c'est en négociation, c'est en discussion, mais avec quel club? Bah avec tous ceux qui vont ouvrir. Il y en a pas un d'ouvert aujourd'hui à part le oui. L'Élysée Club, voilà. L'Impérial, je sais même pas. L'Impérial a ouvert, ouais, je crois, ça y est. Mais l'Impérial fait pas de poker de tournoi et ils n'ont pas la capacité pour faire du poker de tournoi, en tout cas dans la salle existante. On a reçu Bernard De Bruyne la semaine dernière. Bah, je suis passé hier devant le circus. Ouais. Ouais, c'est encore en travaux, donc et franchement, ça m'a l'air vraiment beaucoup en travaux encore. Ah non, mais de toute façon, c'est pour les. On sait que c'est pas avant septembre. Enfin, la plupart des clubs, voilà, il y aura pas d'ouverture cet été normalement. Enfin, cet été, je parle du juillet août, il n'y en aura pas. Quoi. Non, il y aura avant le FPO Pornic du 29 août au 1er septembre. Ah, ça te parle, non? Non, j'écoutais pas. C'est... J'ai entendu Pornic. En fait, Tommy, il est là. Bon, en fait, les gars, j'ai arrêté ma carrière. Maintenant, je m'en bats les couilles de votre jeu de cartes de merde. Je peux vous le dire maintenant, après 10 ans, en fait, je déteste ça et je vous hais tous. Alors, la vérité, c'est que j'habite loin et que j'avais prévu des embouteillages. J'avais prévu. Et en fait, je suis arrivé trop tôt. C'est quoi, loin? 50 km. Donc, je suis arrivé trop tôt. T'es venu à vélo depuis tout à l'heure? Non. On me l'a jamais sorti, celle-là. Vélo, je crois que c'est la phrase qu'on m'a le plus sorti. Parce que oui, tu fais beaucoup de vélo. Non, je fais pas beaucoup de vélo. Mais quand j'en fais, j'en parle. C'est pour ça qu'on croit. Je fais pas beaucoup de vélo, mais quand j'en fais, je monte le Mont Ventoux. La photo qu'on a mis sur Instagram pour t'annoncer ce soir, t'as monté le Mont Ventoux. Tu l'as vraiment monté ou? T'as mis le vélo sur la bagnole et tu l'as vraiment monté. T'en chies quand tu le montes. Je l'ai monté 3 fois en 4 jours, c'était l'enfer. Tu t'ennuyais beaucoup. T'avais oublié 2-3 trucs. Pourquoi 3 En fait, le premier jour, j'ai oublié mes clopes. Et arrivé là-haut, j'étais dégoûté. D'avoir commencé à fumer. Mais il y a eu un moment où t'avais fait une espèce de petite retraite, mais tu sais, où t'avais fait le tour, pas le tour de France. Non, en 2015, je suis parti de chez moi, donc dans les Yvelines, et je suis allé jusqu'à Montpellier en 13 jours avec les. C'est un peu Forrest Gump, tu sais, qui est. Et j'ai commencé à courir. Et en fait, quand je suis arrivé au bout de la rue, je me suis dit, pourquoi pas. Il a été qu'à Montpellier, c'est pareil. Non, je suis arrivé donc chez ma soeur à Montpellier, et ma soeur m'a dit la même chose. Elle m'a dit, mais je pensais te voir arriver avec les barbes de Forrest Gump, quoi. Je dis non, quand même. j'essaie d'avoir de la barbe depuis 10 ans, j'arrive pas. Non, je me rasais. Donc j'ai fait des petits trucs à côté. Donc tu t'es resservi, donc c'est quoi le Non, j'attends toujours le rouge. Putain, c'est incroyable. Tu peux taper en cuisine, c'est... Vas-y, commence. Question suivante. J'ai une question. Est-ce qu'avec Clive Bury, ça s'est envoyé des petites toffes? Ça, c'est un peu snap. J'ai une question. Vas-y. Parce que pour l'instant, t'es Libori, on en reparle plus tard. Ouais. Mais pour l'instant, vu que t'en as un peu rien à foutre, et parce que t'as fini. Ah, ça a balancé. Alors. Non, j'ai pas envie que ça balance tout de suite. Moi, j'ai envie de. Là, on est un peu. On va être sur la minute bisounours. Et d'ailleurs, ce sera une question pour tous les deux. Il faut me dire un nom. Me dites pas tout le monde, parce que je sais que ça va être. Voilà, la langue de bois. Quel est votre joueur préféré sur le circuit? Alors. Me citez pas à l'international. Oui, avant que j'arrive, j'en ai eu 3. Avant que j'arrive, c'était Fabrice Soulier, parce que quand j'ai commencé le poker, c'était grâce à Bruel sur Canal+ et au That's Poker sur Arte. Et donc, je trouvais que Soulier, c'était la classe. Après, c'était David Iquitaï quand je suis rentré dedans. Et maintenant, c'est David D, Alex. Maintenant, c'est Alex et David D. Okay. Dans les francophones. Greg, Alex Rare ou... Ouais, Rare. Enfin, Alex Gray. Alors c'est super chaud pour moi. J'ai tous mes poulains, relou. Bah, mais il y en a un qui sort tête du lot. Ça passe toujours. Philippe, parce que avec Philippe, il y a eu il y a une relation Philippe humaine. Roussem. Philippe. Philippe Torza. Philippe parle poker. Combien de fois ça a été repris? Lui? Philippe. Ouais, Philippe Torza, parce que c'est. Enfin ouais, c'était vraiment, il y avait vraiment des relations parce qu'il venait pas que du poker, parce qu'on avait aussi en commun les chevaux, voilà, les paris hippiques, les courses, Vincennes, les trotteurs. Moi, ma famille était là-dedans, lui il me connaissait avant que j'arrive aussi par le nom de mon père, le nom de ma famille. Et puis Philippe, c'est un mec qui a pas hésité à mettre sa main à la poche pour que j'aille faire des coverages, notamment à Montréal, juste
avec lui pour découvrir le WPT Montréal avant qu'on le mette au programme de la team. Voilà, c'est des trucs qui sont à dire. Je connais pas beaucoup de joueurs de poker qui vont payer le billet d'avion et l'hôtel à son couvreur pour aller juste faire un repérage. Et puis parce qu'il nous a fait vibrer, c'est quand même le mec qui a pris le plus chez nous en une fois. Ouais, il a pris deuxième du Bellagio. Deuxième du Bellagio où sur place c'était streamé. J'avais carreau d'arcour. Prend combien? Il prend 1 million et quelques. Wow, c'était derrière Marvin Rottenmeier. C'était 10K. Je pense qu'il prend le million. Hein. C'était 10K. 5K. Non, c'était 10. C'était 10. 900. C'est plus de 900, c'est sûr. C'est plus de 900 000 dollars. C'était un 10K. Ouais. Et c'est Marvin qui gagne. C'est Marvin qui gagne, ouais. Et que voilà, et qu'on finit au petit matin. Moi, je suis dans mon jardin à Courbevoie, en train de continuer le coverage écrit, puisque on avait le stream sur le blog, on avait dealé le stream sur le blog, mais je faisais en même temps le coverage écrit. Et c'était un truc de dingue. Voilà, voir. Et puis après, d'autres joueurs qui m'ont kiffer ou qui m'ont fait kiffer. Patrick, c'est grâce à lui qu'on a découvert le poker. 800 000, il prend. 800 000, ouais. Ouais, je pensais que c'était le million. Oh, c'est tout. Oh, c'est rien, finalement, c'est plus lui, alors c'est pas ouf. C'est dur de te donner un nom. Ouais. Alors, pour pas citer de nom, mais le moment le plus. Marvin est un mec qui est. Rettenmeier, justement, ouais. On en parle. C'est un mec qui est adorable, qui est humain aussi, qui a pas que le poker dans la vie. Nous, on l'a découvert à l'époque au WPT Amnéville. Donc, ça date. Où le mec dormait dans sa voiture et où il fait Amnéville, c'est dur, Amnéville. Ouais. Dans sa voiture. Parce qu'il sortait d'école de commerce. Quand même. Mais non, mais il y avait rien. Et où c'est Pierre Barmasson qui lui. Mon couvreur de l'époque, que beaucoup ont connu parce qu'il a fait 770 avant, il a fait PMU pendant 3 ans avec moi, qui lui dit viens dans ma chambre parce que tu joues le Détroit, faut pas que tu dormes dans la voiture. Et Marvin. Ouais, il sentait qu'il allait avoir un petit pourcentage. Ouais, viens, tu vas truc, faire quoi. TF demain, viens. Dans mon... Mais lui, c'est un mec, franchement, c'est un mec génial pour un Allemand, j'ai envie de dire. C'est un mec génial. C'est un mec qui aime la musique. Ouais, génial. D'ailleurs, il joue encore. En français, il y en a. Il joue encore, oui, il a fait. Je crois qu'il a fait une petite perf là, au début des WSOP. Il a fait un truc. Je l'ai vu en D3 ou D4 d'un truc, ouais. C'est vrai qu'à l'époque, c'est lui qui perfait. Alors, pour pas parler des joueurs, mais du coup, si vous devez retenir un moment marquant. Forcément, il y en a plein aussi, mais le moment le plus marquant donc toi, du coup, Tommy, maintenant de ta carrière, puisqu'elle est terminée, j'ai pas un moment particulier, mais ça doit être toute l'année 2012, c'était la folie quoi. Il y a eu EPT Deauville, PPT Cannes, WSOP Cannes. J'avais fait l'UO Prague, donc c'était mon premier Unibet Open, première fois à Prague, c'était génial. Qu'est-ce qu'il y a eu cette année-là? J'ai fait l'Unibet Open Saint-Martin en décembre et c'était un de mes meilleurs souvenirs aux Caraïbes. C'est pas Porte Saint-Martin, c'est un peu mieux. Et c'était une grosse année. Et c'est génial. Vrai qu'à cette époque-là, tu parles du PPT Cannes, moi je pense tout de suite à les grosses soirées du PPT Cannes. Ouais. Notamment la grosse soirée, chaque fois organisée par Tristan Clémenceau. La villa avec Ilan et tout. Avec dans la villa. Là où tu t'es pris des claques par Vanessa Zelst, ouais. Non mais attends. Alors je me suis pris des claques volontaires. Il faut expliquer que c'était un jeu avec elle. Parce qu'on va nous demander ce qui s'est passé. Alors en fait, Club Poker venait de tourner une vidéo parodique de Bref et comment c'est l'année de Bref, ok. Ouais, et comment je avais appris au cours Florent à se prendre des claques. Il les prenait bien. Ah bon. Et comme il était fier de son jeu d'acteur de bien se prendre des claques. Ouais, je pense que j'ai surtout pris 2-3 verres dans le pif. Il y avait Vanessa Sebst à la soirée chez Tristan Clémenceau, Ilan, Clément Tumi et compagnie. Et je sais pas, ils étaient d'humeur à vouloir se foutre des claques. Et il a dit bon, vas-y, mets-moi des claques. Et elle lui a mis. Par contre, moi, je mettais pas une claque, moi. Non, juste, c'est elle. En fait, on filme, mets-moi une claque, on filme, quoi. Ça. Et puis elle m'a mis une énorme tarte. Mais tout ça dans la bonne humeur, on a beaucoup quoi, j'en ai reparlé il y a 2-3 ans, elle s'en souvenait vaguement, puis après elle m'a dit « Ah oui, si je m'en souvenais très bien, j'ai eu très mal à la joue le lendemain. » Mais c'était pas par toi, c'était par l'autre. Parce que justement après, ça avait dégénéré. C'était les bonnes années, tu confirmes. C'était les bonnes années. C'est toujours les bonnes années, mais c'est plus la même chose. Quoi. Non, mais en fait, c'était fou d'avoir en 30 jours, on avait le PPT Cannes avec Dwayne, avec... Il y avait tout le monde, Audoyer, Helmut et tout. Et après, c'était la première fois qu'il faisait un 100 000 à Cannes. Quoi. En fait, ça faisait vraiment bizarre parce que j'y vais souvent dans ce casino. Enfin, on y va tous souvent dans ce casino. On fait des 1000 et tout. Et là, on se retrouve à des demi-finales avec Jason Mercier, Negreanu, dans le Croisette. C'était le casino, c'est au Croisette. Bah, en fait, t'avais, genre, le main était au Majestic. Et les autres tournois se jouaient... Ah, tu parles des WSOPE. Ouais, des WSOPE. Et les autres tournois se jouaient dans le Croisette.
Et c'était hallucinant de voir tous ces mecs dans le Croisette qui fait 1m30 de plafond, de hauteur de plafond. Enfin, c'était fou, ça, quoi. T'avais toutes les stars de l'époque qui étaient en France et ce que maintenant on n'a plus, quoi. Les vraies stars qu'on voit plus en France, tu pouvais faire un EPT de ville, il manquait plein de monde. Là, il y avait vraiment tout le monde. Il y avait Ivy. C'est pas l'année où Phil Hellmuth fait deux ou gagne le main event. Il gagne en 2012. En 2011, c'est Leo Fox. En 2012, c'est Phil Hellmuth. Mais après, ils étaient tous là, quoi. Adrian Mateos. Ah non, c'est longtemps après. Non, ça, c'était à Anguin, ça. C'est l'année d'après, mais à Anguin. Mmh. Oui, devant Fabrice Soulier. Fabrice qui est en heads up. Alors Greg, toi, si tu peux du coup avoir un peu ton moment... Toi, elle n'est pas finie, donc il peut en arriver encore. Je veux dire, un moment marquant quand même. En tout cas, elle va jusqu'au 31 décembre pour l'instant. En tout cas, celui que tu viens de vivre, ça doit être dans... On n'est pas loin du top 3 des meilleurs moments quand même. Ah oui, c'est sûr, parce que c'est un moment perso, c'est que t'as vécu. Oui, mais toi. Ça fait partie des moments du poker, quoi. Oui, oui, c'est pas top 3, c'est top 1, quoi. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais. Avec tous les potes derrière... C'est ça aussi, c'est l'endroit, ce qu'on disait, c'est les potes derrière et tous qui kiffaient le truc à fond aussi. Le seul dommage, à la limite, c'est qu'il y avait une heure de délai avec le streaming. Donc je crois que Jules a un petit peu bypassé ce délai. Puisque, une heure de délai, c'est énorme. Ouais, je sais pas, il y avait un problème technique au départ, au lieu d'avoir une demi-heure, ils ont une heure. Ah, tu veux dire que t'as spoil ? Non. On a un chat couvreur, en fait. Privé, j'ai fait un stream privé du HU, en fait. Mais, du coup, d'accord. Tous ceux qui n'étaient pas là, Max, Flo. Il a fait une contre-soirée. C'était trop long. Il y en avait trop. Il y a plus de viewers sur ton truc. On pouvait pas, on était 4. Mais, c'était top. Ouais, c'était. Mais bon, ça c'est le meilleur moment. Mais non, professionnellement, sincèrement, il y a deux grosses soirées, on va dire. Il y a une énorme soirée au WPT Maurice. Où on était, c'était le deuxième WPT Maurice sur lequel le PMU était partenaire. Donc c'était à l'époque de la team Darkour. Juste l'année d'après, c'est la team Darkour avec la team online aussi avec Clément Beauvois et Emile Petit. Oh my god. On a fini une soirée. On a revu les images ce week-end encore, justement à la Grande Motte, parce que la soirée était magique. Et il y a la table finale de l'année dernière du Little One Drop, parce que t'as un team pro et un ex-poulain en finale, François Tosse qui est Erwan Pécheux. Et il y a un rail de folie, c'est la fin du WSOP, donc tous les Français sont là et tout. Et François finit encore Team Poulidor alors que le bracelet était à sa portée. C'est lui qui sort Erwan en plus. C'est où tu te dis, putain, les mecs, ils sont. Oui, tout le monde disait, mais ils vont pas jouer, ils vont attendre. Non, ils se sont joués à fond. Parce un scénario de fou. Tu peux pas t'éviter en TF de toute façon. Tu peux pas, c'est pas possible, ouais. Et surtout la soirée à la Cassane après, c'est un enchaînement de choses où Erwan n'était pas sorti de tous ses WSOP, il avait fait un mois et demi sur place en faisant peut-être une petite soirée ou un truc comme ça, et là on a dit, ok, là on envoie la grosse soirée, Francisco était deuxième, donc il avait pris 300 et quelques mille dollars, Erwan avait fait finalement des bons WSOP, il avait fait septième ou sixième de la table finale, et les Français qui restaient, les potes qui étaient là à la soirée, c'était la bande des proches, quoi. C'était les Alex, les Dex, toute la bande de Toulouse, les Pierre Merlin. Cette table finale de l'année dernière, elle reste beaucoup plus encore que celle de Erwan quand il est fait deuxième du Mix Max contre André Boyer, qui est malheureusement décédé. Où il y avait un gros rail, très sympa, mais où Erwan est reparti le lendemain sur un tournoi. Un rail qui était un peu aussi parti en couille. Non, c'est des conneries ça. C'est complètement des conneries. Ouais. Ouais. Le mec qui a commenté ça n'était pas là pour entendre ce qui s'est passé. Il y a eu effectivement, c'était pas une insulte contre André Boyer, c'était la façon dont se parlaient deux membres français du rail qui sortaient d'une pool party et ils se parlaient comme ça depuis une semaine. Donc rétablissons la vérité. Il n'y avait rien contre André Boyer qui était un mec adorable québécois qui parlait français. Les deux clans étaient à côté parce que lui, sa femme, ses amis québécois étaient là. Il n'y avait rien contre lui, c'est juste deux mecs qui sont arrivés fatigués d'une pool party comme on peut... arrivé, fatigué, après avoir fait 5 heures de pool party, et qui se parlaient entre eux comme ça. Qui se parlaient entre eux, hey, fils de pute, viens là. Voilà. Ça n'avait rien contre André Boyer. Ok. Donc il faut rétablir le truc parce que. Ça semblait bizarre. En plus, Tommy, ton pire moment dans ta carrière de coureur poker ? Honnêtement, j'en ai pas. Ça pourrait être, un avion loupé. Enfin, non, ça serait. Non, rien. C'est spécial. C'est le bonheur pour commencer, un avion loupé. Oh merde, oh non. J'en ai pas loupé pendant 5 ans. Et puis, il y a une année, là, après les attentats, c'était difficile, là, les transports en commun. On peut arrêter de parler de ça. J'ai réussi à louper deux avions.
Mais bon, alors si c'est pas ton pire moment, la personne que t'as le moins aimé côtoyer. La plus exécrable. Le pire joueur que t'as côtoyé. Voilà. Francophone. Ouais, alors voilà, si tu l'as, tu me ferais trop plaisir. Oui, Ah, tu me rendrais trop de rêve là. Et d'ailleurs, s'il est dans cette pièce, c'est encore mieux. T'es le génie, tu sais. Bah voilà, c'est Jules. Bah je le déteste. J'en ai marre. Qu'est-ce que c'est que cette putain de barre? J'en ai marre, quoi. Mec, vrille total. Il va lui péter la gueule et tout. Alors, il y a des joueurs à table. On va dire que c'est pas humainement, c'est à table. Je trouve que. Enfin, je passe derrière et je me dis, j'aimerais pas être 10 heures à leur table. Après, certainement qu'humainement, ils sont très bien. Mais ils puent. C'est fini, t'es au chômage. Albert Sebag, par exemple, qui est super sympa. J'ai vraiment beaucoup de mal à l'observer à table. Je trouve qu'il joue un jeu énervant pour tout le monde. Je trouve que ça manque de respect. Lapin Morin aussi, j'avoue que dans la vie, je l'aime bien. Après le scandale qu'il a tapé à l'EPT Monte Carlo, de prendre 30 secondes avant même de regarder ses cartes pour chaque décision, j'ai trouvé ça vraiment lourd. C'est bien, c'est déjà une bonne balance. Ça te va ? C'est, ouais, franchement, deux, c'est pas mal. Je suis content. Par contre, je m'entends très bien avec les deux en dehors de la table. Oui. Regarde, maintenant, Greg. Regarde, tu vas voir quand on est encore en activité, comment c'est dur. Non, c'est pas dur. Ça c'est bon. Non, mais ils veulent sortir un américain. Non. Mais oui. Attends, on commence par le pire moment ou pas quand même avant? Oui, le pire moment. Ouais, le pire moment, ouais. Un WPT gruissant fin octobre. Dans une salle des fêtes. Salle des fêtes à Gruissant? Ouais, à Gruissant, ça c'était. Non, le premier, c'est pas joué au casino. Il s'est joué dans la salle des fêtes municipale. Sur le port. Je sais pas si tu. Alors, avec en fait, les Gruissant... chaises qui grincent à chaque pause quand tu. Voilà. Moi qui viens de Montpellier, on allait. Il y a longtemps, hein, on allait jouer à Gruissant. Le casino, il est super sympa. Ouais. Ça, on allait jouer à Gruissant, mais sauf qu'en fait, ça m'était déjà arrivé de. Tu vois, il y a une pause et tu pars du casino et tu marches, tu peux aller sur le port et tout. Et c'est. Genre, c'est la ville fantôme, quoi. Il y a rien, quoi, surtout en hiver. Et donc, j'imagine même pas une salle des fêtes de Gruissant, tu vois. Tu pourrais faire une blague. Je crois que c'était en octobre, ouais, ou un truc comme ça. WPT Gruissant, salle des fêtes, t'as l'impression que c'était le concours de belote local. Et surtout, le pire, rien pour sortir le soir. Non. Pas un truc d'ouvert. Si, il y a un karaoké. Il y a un bar à putes. Il y a un karaoké, il vaut le coup. Il y avait le bar du Caz, mais il n'y avait pas un bar ouvert, pas une boîte ouverte, rien. Non, rien. On s'est retrouvé avec Léo Truche à faire le tour de tous les trucs. Ouais, ça, c'est old school aussi. Hein, c'est old school, mais c'est vieux aussi. Tous les bars possibles ouverts à minuit et demi, rien, fermé. Donc au Campanile, allez hop. Non mais quand tu fais ton after au Campanile, alors, c'est dur. Hein. C'est vrai qu'on peut faire la liste des villes où il faut pas bust et Gruissant c'est dedans quoi. Gruissant, Amnéville. Non, alors là Amnéville, t'avais le karaoké, le Buffalo Grill, la boîte avec la bouteille à quand même 65€ la bouteille. Avec une pute offerte, je crois. C'est 65€. Si t'as pas de chance, c'est qu'il est prêt à l'entrée. T'avais l'entrée gratuite aux os si tu prenais la bouteille par contre. bon alors c'est bon maintenant. Maintenant le mec avec qui tu t'entends pas. C'est pas que je m'entends pas, c'est un mec qui aujourd'hui devrait prendre sa retraite. T'as ou... dit son nom ? Non, je vais le dire, c'est Roger, ouais. Ah bah pareil, okay. Pareil. C'est Big Roger, quel intérêt il a à dénigrer mes joueurs, à tailler des Erwan Pêcheux ou autres. Franchement, voilà, il a été un super joueur, à un moment, faut tourner la page, quoi. Nous, on les a eu les deux en même temps, à Cannes, on avait eu Erwan et Roger. Ah, tu sais, c'est un peu comme le combat Booba-Karis, voilà. Tu vends le truc et nous on était contents, on arrive à avoir les deux et tout, il on s'est dit rien bon, du tout. Et puis rien. Rien, c'est rien ridicule, tout, voilà. C'est un peu du gratuit. Après Roger, il fait ça avec, maintenant il est passé à autre chose, enfin, pendant longtemps c'était Erwan, après il est passé sur Adrien Guillon. J'ai l'impression qu'il aime bien Erwan maintenant. J'ai l'impression que chaque fois qu'il parle de lui, c'est un peu, il aime bien. Je pense que c'est un jeu. C'est juste ridicule. Il a juste choisi la mauvaise cible avec Erwan, quoi. S'il veut prendre des cibles de jeunes grinders irrespectueux, je pense qu'il y en a d'autres. Mmh. Et Erwan, c'est surtout pas ça. Il a peut-être son caractère, il est peut-être whiner, tout ce que tu veux, mais il a jamais manqué de respect à qui que ce soit. Voilà. Puis c'est un de mes joueurs et enfin c'est ridicule. Voilà. Erwan Pêcheux. Bon bah on est pas mal. Attends, le plus apprécié, le moyen. Non, bon, on est pas mal. Et d'ailleurs, juste la team Unibet, donc on parlait de Nicolas Darvaux tout à l'heure. Oui. Et qu'est-ce qu'il devient, Nicolas Darvaux? Je me suis posé la question en voyant cette team Unibet. Je sais qu'il avait un bar billard. De billard, ouais, parce que c'est une ancienne. On s'est croisé. Attends, il faisait pas l'Arena Poker Tour, un truc comme si, ça Si, Arena ça Poker Camp. Ouais. Poker Camp, ah, mais ça existe aussi. Encore Je crois, ouais. Si, ouais.
D'accord. Non, mais en fait, on s'est pas trop connu quand on s'est croisé. Et je suis arrivé, il est parti pas longtemps après quand Quentin est arrivé. Donc on s'est pas. T'as fini ton verre de rouge là ou pas? Non. C'est passé quoi avec les bourris? En fait, elle était bourrée. Et tu sais, on était au Carré d'Or, tu vois, là où il y a tous les cafés à Cannes. Et elle était avec des copines à elle. Et, en plus, il y avait des copines. Vas-y, là, ne nous déçois pas. Ouais, j'avoue, c'était pas mal, les copines. Ne nous déçois pas. Et en fait, j'arrive avec Camille. Donc, Camille, c'était la caméraman de Poker 52. Oui, je me rappelle. Connaît, la femme de Brian. Et on arrive. Et Future femme de Brian. Ouais. Ne spoil pas. J'ai une anecdote sur Todd Timothy Adams le même soir de folie avec Camille. Et d'accord. Le mariage va peut-être. Alors, moi je vais y aller parce que je les connais encore les deux un peu. Et... Donc je laisse tomber l'anecdote de Liv Boris, je passe à celle de Camille. Non. Ah mais elle est plus drôle, celle de Camille. Non, on s'en fout, nous on veut celle de. Non, en gros je dis bonjour et puis je me tourne et puis en fait elle était en train de dire à une de ses copines que genre elle me trouvait intéressant quoi. Et c'est tout. Et je l'ai grillé à ce moment-là et c'est tout. Fin de l'histoire. Maintenant, Non, ça, c'est pas la chute. Si, l'histoire de Tim Adams. Attends, Liv Boris te dit. Liv Boris. C'est la pire histoire de l'histoire. Toi, tu te rends compte. Tu te rends compte que Liv Boris dit que t'es intéressant et tu vas me dire que ça s'arrête là? Ouais. Non, j'y crois pas. Ah, tu me connais pas alors. Ça s'arrête là? Ouais. Ok. Voilà. Bon, c'est moi qui ai me cassé de cette émission, je crois. Sinon... Hein, et donc, je suis avec Camille. Camille qui est quand même très jolie. Tiens, je peux faire un bisou à Walfie en attendant. Oui, mais Walfie. Bien sûr, on sait. De toute façon, elle se fout de ma gueule depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je la cite pas. Voilà, je sais, mais justement, je voulais la citer par rapport à ton t-shirt. Elle et a autre. Dit que j'ai mis un t-shirt blanc, un t-shirt basique. Pour une fois, non, on parle pas de Wolfie. Voilà. Donc, oui. Et donc, Camille avait filmé au World Series Europe toute la semaine. Et donc, quand t'es debout, quand tout le monde est assis, forcément, on la voit. Quoi. Elle se fait remarquer. Et donc, Timothy Adams l'avait bien repéré. J'avais vu qu'il l'avait repéré. Et on était tous devant les bars. Et Timothy Adams arrive très tard, tout seul. Et il commande, genre... 50 shots au bar. Ça, c'est la bonne stratégie. Ah, ça, t'as compris ce qu'il avait fait. Ça, c'est le bon move, les shots. Voilà. Et il va voir Camille expérience. Avec deux shots, un pour lui, un pour elle, et il trinque. Et puis voilà. J'ai trouvé voilà. Ça énorme. C'est... Enfin, et puis énorme, voilà. Et puis voilà. Mais là, il y a Brian Bédéou qui écoute l'émission. Il fait. Et puis après, enculé, il s'est passé quoi? Mais là, ça n'a rien passé. C'est mais c'est juste le coup du shot qui était drôle, c'est tout. Et mais c'était t'es bien resté avant. Derrière pas en backup, ces petits plans. T'es un peu comme un. Fouille merde, petit corbeau évidemment. Dessus, tu vois, je suis resté entre les deux. Je dis, bon alors, on fait quoi maintenant? Un autre shot, allez, un deuxième. Est-ce que t'as. Ça me fait penser, puisqu'on parle de meuf. Du coup, t'as côtoyé un peu la team Unibet mondiale, quoi? Mondial. Les ambassadeurs les, ouais, les oui, autres oui, ambassadeurs. Oui, bien sûr. Les ventes brabandées, t'as un peu. comment ça s'appelle Charlotte Non, c'est pas Charlotte, du coup. Si, c'est Charlotte. Non, c'est l'autre. Si, c'est Charlotte. Charlotte, c'est la sœur. Enfin, c'est. Non, c'est Charlotte. Ah ouais Charlotte. Ah oui, c'est Charlotte. Oui. Tu l'as côtoyé un peu Ouais. Non, en fait, je vais revenir sur la première question que tu m'as posée. Sur la première question que tu m'as posée. En fait, j'ai l'impression d'être un peu largué ces derniers temps. En fait, avant, on invitait beaucoup de people sur les tournois poker. Après, on invitait pas mal de footballeurs. Là, j'étais déjà largué. Genre, à un EPT Barcelone, il y avait Neymar, je savais pas qui c'était. Et Piqué, je savais pas qui c'était. Ah, ouais, là, c'est vrai, tu pars de loin. Après, il y avait Michael Jordan qui était là. Je dis, c'est qui, celui-là Là, tu pars de loin. Ouais, donc là, j'étais un peu largué. Et sur Clara les Morgan qui est arrivé, franchement, je savais pas qui c'était non plus. Quoi. Et sur les Unibet Ah Open... oui, il faut que tu parles de Clara Morgan après. Ouais, putain, ça va être un truc. Toutes les meufs qui auraient pu. T'imagines tous les... J'ai eu Clara Morgan qui a dit putain, je me le taperais bien celui-là. Puis donc, moi, je suis parti au bar. Je suis rentré dans ma chambre d'hôtel. Je suis allé fumer une clope dans le parking. Voilà. Et sur les Unibet Open, ils invitent plein de e-sporteurs maintenant. Et ouais. Je suis largué de chez largué. Ouais, c'est alors, genre. Ça, c'est plus logique, ouais, quoi. Ouais, c'est logique si tu veux, mais en fait, c'est pas. C'est, bah ouais, mais du coup, tu perds du boulot, quoi. Enfin, tu perds un peu de compétences, tu vois. Genre, Quentin, il est pas sur place, il m'envoie des MP en disant, ouais, le mec est trop connu et tout. Je fais, mais je sais pas qui c'est, moi. J'en connais aucun de Counter-Strike et tout. Même Charlotte, je sais pas quoi elle joue. Donc, un peu dépassé, là. Non, mais oui, mais les mecs, ils ont 1 million de followers, tu vois. Ils ont plus de followers que le plus gros joueur du field. Nous, ça nous est arrivé deux fois aussi. Quand on dit tu vas recevoir un youtubeur, au début on te dit le nom, tu connais pas tout le monde et tu te rends compte que le mec il a plus d'1 million d'abonnés. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc après tu regardes, mais on peut pas connaître, il y en a tellement. Ouais, c'est quoi l'anecdote avec Clara Morgan? Ouais. Ouais. T'attends, Greg. En fait, c'est la même soirée où j'ai remis la couche sur Bruno Fitoussi, là. C'était la soirée Estelle Denis. Ok. En fait, le truc c'était une boîte et à côté il y avait un hôtel. Et nous, on était dans la boîte, donc rien à voir dans l'hôtel. À un moment, dans la boîte, je sors fumer une clope dehors.
Et donc, je suis sur le trottoir et il y a tout un groupe de mecs qui fument, adossés à une barrière. Donc, je m'adosse à côté d'eux. Et là, je vois Clara Morgan qui sort du restaurant. Donc, elle n'était pas dans la boîte. Elle sortait du même truc, mais elle n'avait rien à voir avec nous. Donc, je la vois, je la reconnais forcément. Et elle va voir les deux mecs qui sont juste à côté de moi. J'avais fini ma clope. Donc, j'aurais fait ce qu'aurait fait tout le monde. J'en ai fumé une deuxième. J'en rallume une deuxième. Et là. J'ai allumé un cigare même d'ailleurs. Elle fait la bise aux deux mecs. Et elle me fait la bise à moi. Et en faisant la bise, elle se rend compte que je suis pas avec les deux mecs. Donc elle me dit, t'es pas avec eux. Je dis non. Voilà. Et elle discute pendant toute la clope d'interviews avec ces deux mecs. Seulement, moi, j'étais. C'était la période où je faisais des interviews people. Et elle présentait Mission Las Caraïbe. Vegas. Mission Las Vegas, l'année d'avant, avec Claire Renault, avec Guillaume Sescu et tout. Okay. Et donc, j'avais contacté son attaché de presse pour faire une interview d'elle. Et en fait, elle avait personnellement répondu qu'elle ne jouait pas au poker, donc elle ne voulait pas faire l'interview. Et donc, elle discute 5 minutes avec les mecs de l'interview. Elle leur refait la bise pour dire au revoir. Et là, elle me dit, bon, bah, je t'ai dit bonjour, donc je te dis au revoir. Donc, c'était plutôt sympa. Bon, elle, est cool. Donc, ça fait 8 bises gratuites. Ben, 8 ou 4, je ne sais plus. Ouais, parce que 8, t'es gourmand quand même. Ouais, parce que comme je suis en région parisienne, on en fait 4, c'est pour ça. Ah oui, ouais. Ah oui, tu t'arrêtes pas ici, on est gourmand. Montpellier, c'est 3. Ouais, c'est ça. Et au moment où elle part, je lui fais au fait, tu me dois aussi une interview. Puis là, elle m'a pas cru du tout et je lui ai sorti le nom de son attaché de presse. Donc elle a vu que je bluffais pas, que c'était vrai. Et donc elle me confirme, elle me dit oui, mais j'aurais pas pu la faire parce que je joue pas au poker. Et elle me dit, bon, par contre, dès que mon album il sort, promis, tu me rappelles et je te fais l'interview. Bon, c'était en 2010. Tu l'as jamais rappelé du coup. Bah, tu l'as vu sortir un album. Bah, elle a sorti forcément, elle a chanté dans sa douche une fois, je me rappelle. Ouais. Voilà. Bah écoute, très belle anecdote sur Clara Morgan en tout cas. C'est quoi les probabilités? Je ne sais pas, mais en fait, même si c'est zéro, je tente. Ça me donne envie de me retaper des vieux docus sur Clara Morgan. J'ai tous ses disques. Dans la tête, ouais, dans la tête. Je suis un gros fan. Dans la tête 2, non? Ouais, je sais pas si c'est la tête, mais. Pas mal. Je vous propose qu'on fasse une petite pause. Enfin, Tommy, toi, ça va te faire. Voilà, comme d'hab, quoi. On fait une petite pause. Ensuite, on va revenir. On va partir du côté de Vegas. On va avoir Steven. Las Vegas, baby. C'était quoi? C'était la semaine dernière où il a défoncé le lit tapis volant. On va essayer de refaire un nouveau truc, là. Oui, on a la pause pour réfléchir à une connerie. Ouais, on va essayer de réfléchir à un truc. Et puis après, on va voir un peu si Greg c'était de la chatte ou pas, puisqu'on va faire la partie technique. Oh putain. Attention. Ah bah ouais, vous allez. Allez, on revient d'ici un quart d'heure. À toutes.
Augmentation des blindes. Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Eh bien, nous revoici toujours en compagnie de Chichi, de Tommy, de Greg, et nous allons partir de l'autre côté de la planète rejoindre celui qui se tue au travail, celui qui est là, regardez, il est sur tous les fronts, entre les tables, il est là, c'est Steven. Coucou Steven. Coucou Steven. Bonsoir Paris. Bonsoir Paris. Ça a déjà un peu poussé, hein, dis-moi. Eh, vive la France. Qu'est-ce qu'il y a un peu poussé? Des cheveux, je pense. Bah, les cheveux. Ah, tu parles de quoi? Bon alors Steven, pourquoi t'es pas au boulot là? Parce que je suis off. Chaque fois qu'on t'appelle, t'es off. Et tu sais quoi? Ça tombe trop bien. Parce que moi je pensais que j'étais deck, je me disais, ah, il va être au Rio, on va pas pouvoir aller dans la chambre de tapis volant. Alors que là. Voilà. Tu veux faire dans la chambre de tapis volant? Mais garde ta bouteille d'eau. Garde ta bouteille d'eau au cas où. Garde-la. C'était bien le lit la dernière fois. C'est créatif. Voilà, c'est ça, il faut être créatif. T'as pas envie de chier? Non, regarde. Alors, Steven, ça y est, on est au premier tiers là, des World Series. On a dit combien? 26 events? 26 events, je crois. 26 events. Ouais, genre, il compte dans cette. 24, 25, encore, 26. Encore en cours, hein, pas fini, hein, je parle. Je compte par rapport au demandé le programme que j'ai fait ce matin. Et ouais, on a dû afficher le 27e. Oh là là, mais dis donc, tu serais pas en train de parler du nez, toi? Ouais, si, j'ai une maladie que tout le monde connaît très bien quand on travaille au Rio. Greg, tu le sais. Voilà, ouais, t'as attrapé froid. Ça s'appelle la clim. Voilà, ça y est. Il fait toujours aussi bon là-bas, c'est ça? Alors attends, tu veux un petit détail très marrant cette année, ce qu'ils ont fait là? C'est que donc ils nous ont mis une table comme d'hab avec nos petits draps noirs comme d'hab. Ils ont mis des prises d'électricité comme d'hab. Et le détail en plus qui tue, c'est le paquet de mouchoirs. Voilà, c'est, vous allez tous tomber malade. Donc on a tous prévu un paquet de mouchoirs. Il y a des paquets de mouchoirs partout sur la table en fait. Et bah ouais, bien joué, ça sert. Et un paquet de mouchoirs, ça sert toujours. C'est toujours pratique. Il faut demander un tapis. Ah mais, on saura. Mais ça va le faire. Mais du coup, j'ai deux jours pour. Là, il commence à faire très très chaud à Vegas en fait. Genre, la semaine dernière, tu m'as appelé, on se serait cru un peu dans le sud. Lève les bras. Là, on commence à se sentir dans le désert. Non, ça va, je suis au calme longtemps. Ah ouais, ça va. On est avec. Là, il y a Team Couvreur. Il y a du monde, hein. Pas mal représenté. Même hors cadre, il y a Max qui est là, il y a Greg qui est encore là aussi. Ouais, je les vois pas, ces deux petits cons là aussi. Là. Moi, je vais leur dire bonjour. Bah ouais, mais ils avaient pas envie de voir ta gueule. Ils sont dans la cuisine. Alors, Greg s'est barré avant que t'arrives en plus. Ah merde. Véridique, qui s'est barré. Donc, si tu devais un peu parler de. Parce que tu vois, aujourd'hui, c'est l'émission Bye Bye de Tommy. Voilà, Tommy, c'est un mec, l'émission posthume. Si tu devais dire quelque chose, parce que toi, on sait que tu auras des mots sympas. Alors, Steven, la personne la plus exécrable de ta carrière, qui est... Alors, Steven, c'est l'inverse. C'est quand tu le dis, c'est qui le mec le plus sympa. Pour le PD Barcelone, on lui dit ou pas? Ah oui, alors... Alors c'est quoi, c'est toi en fait qui va couvrir Ouais, en fait on avait avec Laurent, Steven, et peut-être je vais faire le PT Barcelone pour CP, et dans ces cas-là tu ferais peut-être le DSO Gujan. Ah yes, c'est bon ça, en plus j'adore Gujan, c'est une super ville et tout. Voilà, il y a un karaoké top, on en parle. Non, ça c'est gruissant. Ouais, mais si vous compliquez les mecs, putain, c'est mec, pareil. Mec, il entend Gujan gruissant, tu sais, après les Espagnols, au niveau des oreilles. On est teubés les Espagnols, c'est ça que t'es en train de dire. Au début je voulais dire les petits, puis après... Et tu t'es dit, bah merde, je parle de moi. Quoi? Non, je suis plus en toi. Bon. Vas-y, Steven. Ouais, donc, Steven, vas-y. Tommy? Oui, pose-moi. Ouais, bah, si tu devais nous dire deux, trois mots sur Tommy. Ah, tu veux que je te dise des mots sur Tommy? J'ai pas du tout prévu de dire des mots sur Tommy, là, comme ça, tout de suite. Comme ça, tu seras sincère, t'auras pas inventé un truc, tu vois. Écoute, j'ai une anecdote avec Tommy qui est assez marrante, c'est qu'apparemment on a commencé sur le même tournoi en fait, tu vois. Donc du coup on s'en souvient exactement très bien de ce tournoi, mais je me souviens de beaucoup de choses dans ce tournoi, des dispositions du vainqueur, de tout ce que tu veux. C'est marrant qu'il ait commencé comme ça fout une petite claque quand t'apprends qu'il finit, parce que ça veut dire que ça fait quand même 10 piges qu'il est là le mec, tu vois, comme moi, et au bout de 10 piges il se barre, tu vois, donc puis de toute façon on envoie des nouveaux arrivés, et puis bah, y a des vieux comme Tommy qui s'en vont, bah écoute... C'est bon vent, la vie elle est pas finie, je suis sûr qu'il va s'éclater dans ce qu'il va faire et c'est très cool quoi. Je pense qu'il a bien kiffé aussi et c'était cool de l'avoir quoi. T'as dit qu'il était vieux, il a kiffé. Hein. Il a bien kiffé. Non, merci Steven, c'était cool. Moi j'ai une autre question Steven par rapport à Tommy. Est-ce que tu sais si Tommy il a pécho Liv Bory ou pas?
Je pense qu'il a pêché plus de Big Mac que Yves Bory, très clairement. Et doucement sur les Big Mac que Mick. Mais non, j'en sais rien. Écoute, s'il l'a fait, tant mieux. Je suis pas sûr. Est-ce que tu crois qu'il a pêché Mélanie Weiss? Ah non, pardon. Du coup, Steven, alors, ça va toi? Steven, tu peux relever les bras, s'il te plaît? Bon, et ouais. pas trop de, on en parlait tout à l'heure, pas trop de grosses perfs pendant les World Series, puisque Jules faisait remarquer que c'est vrai que hors World Series, sur les circuits un peu annexes, genre Rio, Wynn, tout ça, ça perf pas mal. Mais les chans, ouais. Ouais, mais du coup, pendant les World Series, là, pour l'instant, les Français, c'est pas encore la folaille. Bah, c'est standard, après, ils ont pas encore joué masse de tournois, et puis je t'apprends rien, c'est la variance, c'est comme ça. On verra, hein, tu sais, moi j'ai souvenir par exemple un Volatar qui avait fait une mauvaise année, je sais plus, il y a 2 ans, un truc comme ça. Il a fini par un des derniers tournois, le Little One Drop, à faire TF, etc. et à Evans en Vegas. Ouais, c'est pas fini, hein, c'est comme ça, hein. C'est une série de tournois, c'est très long. Ouais, moi je suis pas là pour attendre le dernier event pour vibrer, si tu veux. Bah donc justement, là, il faudrait, parce qu'en plus ils ont rajouté des events cette année, donc il n'y a pas que le main. Genre une fois que tu as buzz du main, avant j'avoue, c'est ce qu'on se disait avant, c'était glauque, tu vois, le main était fini et tout le monde partait, et les salles étaient vides, les mecs dans les couloirs pliaient bagages, il n'y a plus rien, tu vois. Et là, il y aura d'autres tournois à côté. Là, tu baisses du main, c'est presque pas grave. Il te reste 50 000, c'est cool. Non, non, il y a Little One Drop, ouais, le 1111. Et il y a un très, très beau 3000 aussi qui doit commencer le 9 ou 10 juillet, ouais. Putain, mais du coup, ouais. Les World Series terminent quelle date cette année? 16, je crois, ou 17, parce que ça. Ouais. Wow. Ah oui, putain, c'est... Bah, il termine plus tard, mais après, il n'y a plus de November 9 maintenant. C'est vraiment, c'est fini, fini, quoi. Tu pars quand, toi? Tu rentres quand, Steven? Quand le main est fini. Okay. Je sais pas quand est-ce que c'est, le 18 je crois, un truc comme ça, quand le main est fini. Mais là, tu sais qu'il y a de plus en plus de Français qui arrivent, ça par contre, ça commence à être kiffant. Tu l'as dit, il y a Arnaud, enfin tu l'as pas dit, mais il y a Arnaud, Arnaud Anselme qui a gagné son gros tournoi au Venetian là. Ouais, qui prend 95K. Ça, c'est... Voilà, c'est une grosse perf, il y avait pas mal de monde dans son rail, etc. C'était cool, alors qu'il était genre 3-4 ans du mat déjà. Mais t'as plein de gens qui arrivent et attends, ça va Steven, être ça tout le long en fait. Il y a Gilouette qui vient de claquer. Absolument, Gilouette il prend 47 000 dollars sur le 800 du Venetian en senior. Ouais. Senior event. Ouais. Et il y a le même au Rio aujourd'hui, donc il y a lui de faire deuxième grosse perf, mais ouais, il y a le même au Rio aujourd'hui de senior event. Mais ouais, bien vu Greg. Ouais, non, mais c'est pour ça les Français ils perfent à côté et tu sais, je pense faut pas occulter les tournois qui sont à côté. Comment je pense que. Surtout cette année, moi j'ai remarqué ça, les prize pools, mais dans tous les tournois de tous les casinos que tu peux avoir partout, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment la folie grecque quand tu. Enfin, j'imagine que tu viens, quand tu vas venir, tu vas voir qu'il y a les petits tournois à côté et il y a vraiment moyen de s'amuser. Bah, c'est toi qui me disais. Non, mais Greg il joue plus les petits tournois. Il s'en bat les couilles, les petits tournois. Il joue le 50K après le main event déjà. Greg me disait si je perf bien, etc. Bon, bah, je crois que c'est le cas. Il m'a dit j'arrêterai peut-être de jouer les 150 et je jouerai peut-être les 600, etc. Et ben c'est une putain de bonne idée parce que vraiment cette année c'est régalade et à chaque fois j'avoue que le niveau est toujours aussi marrant quand même. Enfin, c'est Vegas là-dessus, je vais rien t'apprendre. Bon sinon, je disais juste il y a pas trop de perf, il y a un certain event en ce moment avec un yo viral à 3 à 3 troisième, enfin non, troisième stack à 50 left. À 5 left, ouais, merci. Du marathon event. Bien, là, il est bien, Yo Viral. Je l'ai vu un petit peu, je l'ai suivi et tout. Il a fait que toute la journée, tu vois. C'était vraiment bien. Il a l'air super focus, etc. Il t'explique que cette année, il aborde les World Series un peu différemment. Genre, il va pas faire que du cash comme il fait beaucoup. Mais du coup, il va faire pas mal de tournois, etc. Et puis, il y a son petit Adrien, son petit cadreur qui le suit partout et qui fait des petites vidéos marrantes. Combien left ils sont là? C'est un petit Yo Viral, petite perf. Franchement, on prend une petite perf de Yo Viral, je te le dis. On prend, on verra. Ouais, 2-3e, on prend, voilà. Je rigole, ça va. Petit bracelet français, ça fait toujours plaisir. Franchement, il n'y a plus de. Moi, c'est juste un français, quoi, à ce moment-là. Ouais, le bracelet d'une vie. Toi, Greg, ça a été ton poulain, on peut dire aussi. Ça, ouais, et ça s'est super bien passé pendant 2 ans. Rien à dire. Et la troisième année. Non, mais la troisième année, il a arrêté. Ouais, les 2 premières années, génial. Et puis. Non, voilà, donc Tim. Non, il a amené beaucoup au PMU sur les 2 ans qu'il a fait. La séparation, parce qu'on nous a posé plein de questions dessus, c'est vraiment d'un commun accord entre le PMU et Yo, qui avait d'autres ambitions que peut-être il a demandé trop d'oseille aussi parce qu'il avait sa structure derrière, son coaching et tout. Et puis c'est vrai que
lui, le faire jouer des FPO et tout ça, ça lui faisait perdre un peu d'argent par rapport à son activité normale. Mais moi, en tant que team manager, franchement, Yo a été un super mec à gérer pendant 2 ans. Il n'y a rien à dire. Ça a été, on s'est régalé. Voilà. Sa sœur aussi est très sympa, d'ailleurs. Oh, oh, oh. Ah ouais, quand même, direct. Bisous à la sœur de Yo Viral. Le mec, il attaque direct. D'où ça sort? Ok. Ok, d'accord. C'est très difficile d'enchaîner. Viens, rentre dans la maison avec ton laptop pendant que tu nous parles. Alors, tu peux rentre dans la maison. J'ai une petite idée. Vas-y. On a une idée. Ah bon, t'as une idée, toi? Non, c'est toi qui a une idée. Ah oui, comme d'habitude, tu vas t'approprier mon idée, c'est ça? Ah, quel mytho. Allez, vas-y, rentre. Est-ce que tu peux aller regarder 2-3 trucs? Ce qu'il y a dans le frigo, s'il te plaît, Steven. Juste, on regarde un peu là. En plus, c'est des gros frigos américains, donc. Regarde ce qu'il y a dans le frigo. C'est ça, le frigo américain, mais on est bien, non, avec le frigo. Il y a quoi? Alors... La mousse à raser. Il y a de la... C'est trop clean. T'as pas de la charcute? Il y a pas de la charcute un peu, là? Là, il y a de la charcute, là, ouais. Ouais, mais... Oh, putain, ça... Ah, voilà. Non, mais ça, le problème, c'est que si on le laisse toute la journée dans son pieu, ça va vraiment puer la mort, quoi. Non, t'as pas de la mousse à raser. De la mousse à raser. La mousse à raser? Sinon, mousse à raser, c'est bien. Ça, c'est la spéciale, la mousse à raser. Il n'y a plus de mousse à raser ici. On est passé directement à la tondeuse. Non, j'ai pas de conneries. Bon, vas-y, attends. Tu sais quoi? Va dans sa chambre, juste. On va trouver l'aspiration. Pisse sur son lit. Va dans sa chambre et fous-toi à Walp. Vas-y. Il va plus me laisser le jeudi tranquille. Il va me dire, c'est mort, je reste à la maison avec toi. Mais tu sais quoi, vas-y, tu sais quoi, on va continuer. Déjà, on va continuer. Retourne le lit. Tu sais quoi, on va continuer. On va continuer l'interview dans son lit déjà. Fous-toi dans son pieu. Fous-toi dans son pieu, putain. Voilà, fous-toi dans son pieu tranquille. On passe une petite photo. Voilà, une petite photo. Mets-toi torse nu par contre, s'il te plaît. Mets-toi torse nu et prends les mouilles. Il y a des photos. Ah non! Ah non, attention! Ferme les jambes! Peux prendre la boîte de mouchoirs du Rio avec. Vas-y, fous-toi torse poil. Fous-toi torse poil, s'il te plaît. Et on fait une photo, on va faire une petite photo comme ça. Tu es ta pute, comment? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Mais si, t'es ma pute, putain, allez, vas-y. Et touche-toi maintenant, touche-toi, vas-y, caresse-toi. Et prononce. Et quand tu te caresses, prononce Tommy. Tommy, Tommy. Putain, c'est pour les invités, quoi. Et t'as un jour off? T'as juste un jour off, Steven? Non, j'en ai deux. J'en ai deux, et après, faut y retourner. Et après, du coup, tu rattaques sur quoi, tu sais? Non, je sais pas du tout. Sur un jour off? Des jours. Non, putain, je suis crevé, demain j'ai eu un jour off voilà, aujourd'hui. Là. Ouais, non, ça va, t'as réussi à prendre le rythme? T'as réussi à prendre le rythme? Quand tu repenses à l'époque de la cagnotte Litchi, etc., j'étais content de partir pour le CP et j'en voyais tous les jours et tout. Mais en fait, c'est pas du tout la bonne idée. Et le rythme de travail qu'on a avec Winamax, c'est beaucoup plus sain. Tu vois, tu bosses 4-5 jours et t'as 2-3 jours de repos. Ça fait beaucoup plus de sens. Tu vois, c'est un marathon, le truc. Hein. Et la semaine dernière, tu venais d'arriver, t'étais un peu encore décalqué. T'avais pas réussi à te caler, là, ça va? Bah, là, franchement, ça va, j'ai réussi. Ouais, c'est cool. De toute façon, on finit tard les journées, donc t'es obligé de te caler là-dessus, hein. Tu rentres tard, du coup tu te couches un peu tard et du coup tu te relèves un peu tard et voilà, ça y est, t'arrives à te caler gentiment, même si des fois il y a des réveils un petit peu brutaux où tu te dis « What ? Mais attends, il est quelle heure ? Midi ? Ah non, 8h30. » D'accord. Bon, mais c'est pas grave, c'est bien de se lever tôt. C'est juste, c'est dur le soir. Rassure-moi Steven, il y a eu aucune sortie au Café des Sports encore de tapis volant ? Il y a au eu Café des Sports, rien de tapis volant, je crois. Il est vraiment sage depuis le début là. Il a surtout joué en fait, pour zéro résultat. Mais quand je te propose de sortir pour se cagouler un peu en case ou quoi, il refuse. Ah, et toi, ça a donné quoi un peu les résultats? Moi, c'est incroyable comme. Comme j'ai déchaté. C'est incroyable, là, j'ai pas de chat. Il run good aux machines, je crois. Merci, je peux finir ma phrase. C'est incroyable comme je chatte aux machines à sous. Je suis pas là pour wine, au contraire. Je suis là pour dire c'est incroyable comme c'est ridicule en fait. Mon run aux machines à sous, c'est. Enfin bref, c'est indécent. Et donc du coup, ça va en fait. Le Vegas, il est cool pour l'instant. Et j'ai pu jouer, j'ai buzz de tout. Mais c'est pas grave, franchement, c'est pas grave. Tu vas là où t'as un nez, tu vois. Truc de débile, tu vois. Mais il faut que j'arrête, hein, d'ailleurs. Mais c'est un peu mes satellites à moi, tu vois. Ces conneries-là, ça marche trop bien. Donc, mes satellites à moi. Putain, la parole du coureur. On est encore en plein dedans, Steven. Demain, demain, ou tout à l'heure, pour toi, tu le matou le Game 6. Ah non, c'est tout à l'heure, putain, c'est bon, c'est chiant. Ouais, je vais aller n'importe où là, dans un. Je sais pas, n'importe quel sports bar. C'est dans 8h. Dans 7h, en fait, Non, j'ai trouvé un casino à moitié de Brokish à côté de chez moi. Et,
Et il y a un bon sports bar, je vais peut-être aller me foutre là-bas. Et putain, très belle idée, merci Chichi de m'avoir rappelé ça. Des nada, c'est un cadeau. Ça m'a reposé. Mais ça, c'est dans 2-3 heures, je sais dans pas. 4 heures, dans 4 heures. Toi, je sais que Jules, c'est très sport américain, mais t'es plus foot, foot US, toi? Ouais, je les deux. NBA je suis, un peu. Ouais, je suis les deux. Tu vas, t'es pour qui? Toronto. Ah, merci, putain, mais yes. Tout le monde est pour Toronto, quasiment. Quasiment, tout le monde. Bah oui. Mais on veut un game set à Toronto, on va pas se mentir. Voilà, oui, c'est la seule chose qu'on veut. Merci. Oui, non, mais je dis sur Toronto pour la fin. On est d'accord. On veut un game set. On veut un game set. Ce soir, on est Golden State de quoi. Toronto. Quoi. Ce soir, on est Team Curry et voilà. Ah bon, on est Team Curry ce soir. Bah oui. Si ils gagnent ce soir, on prend quand même. Hein. Franchement, on prend. We are the North. Je joue pas très parce que les Américains, ils sont vraiment fans de basket et c'est vrai. Je vous apprends rien et c'est vraiment kiffant du coup de suivre avec eux. Ils suivent vraiment ou pas? Puisque je disais que les audiences n'étaient pas terribles aux États-Unis du coup quand les games étaient à Toronto. Bah écoute, moi dans tous les casinos, enfin à chaque fois où j'ai été pour voir tous les matchs, puisque j'en ai pas loupé un seul, c'était vraiment le bordel tout le temps partout. Hein. Et après il y a beaucoup plus de Toronto qu'autre chose. C'est marrant, c'est Toronto, c'est-à-dire que t'as des Américains, t'as des Européens, t'as des Chinois, t'as ce que tu veux, et c'est un melting pot de mutants, tu vois. Et du coup t'as tout ça qui supporte dans le casino. Et ça change des teams LeBron qu'il y a eu pendant toutes ces années, tu vois. Non, c'est bien, c'est une bonne ambiance. Bon, bah écoute, on va suivre ça, on va vibrer un toi, peu. Toi, tu vas dormir et moi, je vais suivre. Je vais dormir, bah oui, bah, excuse-moi, nous, on a des enfants. Donc, c'est vrai, voilà. J'ai des enfants, mais je les connais pas, donc ça m'arrange. Ouais, bien sûr. Toi, ils s'appellent MST. C'est des mutants, moi, MST, ouais, c'est des enfants. C'est très bonne. Bon, Steven, un petit truc à nous rajouter, là, à nous dire? Non, j'espère juste vous avoir en meilleure forme la semaine prochaine. La semaine prochaine, on n'est pas là, on sera à Marrakech. À Marrakech, nous. Dans deux semaines, on t'aura pas parce qu'on va avoir. On le dit aujourd'hui. On le dit aujourd'hui? Ouais. Vas-y, dis-le. On va l'avoir. Ah, je vais pas le dire. Liboré? Il va pas le dire. Non, c'est pour les fans de crypto, Eric Larchevêque. Ah ouais. Mais alors c'est genre quand même le mec qui est c'est top level là. C'est genre ouais, c'est Monsieur Ledger dans les cryptos là ouais. Donc on va voir ça va être une ex joueur de poker. Ouais. Il y a 10 ans maintenant. Ouais, voilà. Ça va être une grosse émission. Ouais. Maintenant big boss des cryptos. Donc on t'aura sûrement pour la dernière émission. Pour la toute dernière émission de la saison, ça sera la semaine d'après. Je donc le 4 juin. Que c'est le 4 le juillet. Le 4 juillet pardon. 4 juillet. Fête en plus le jour de la fête nationale. Mais de ton pays, voilà, ta fête nationale. Your country, man. Amérique, Steven, you know. Bon, non, mais on t'appellera si jamais il y a un petit bracelet, quand même, on t'appellera un petit coup. Ok. On verra, j'espère, on verra. Bah, Yo Viral. Erwan Pêcheux. Erwan Pêcheux. Des deux aujourd'hui de son tournoi. J'avais envie de mettre ça, je sais pas pourquoi. Tu sais, les mecs qui sont tac, tac, tac. C'est bien, j'aime bien. Il y en a de plus en plus comme ça. Et ils arrivent, ils arrivent. À quoi l'héroïne? Il est arrivé avant-hier, Erwan. Donc il est parti direct de la grande zone. Il a joué 2 tournois. Il a joué 3 events ouais, déjà. Dès qu'il a atterri, il a été joué 2 tournois. Ouais. Là, il a pas le temps, c'est bien. Il y a Pierre Calamusa aussi qui est arrivé. Ouais, Pierre Calamusa, il a fait son premier item sur un PLO. Je crois que c'est le premier item de sa vie sur un PLO. Il a mis un message, il a dit qu'il a gagné en tout 25 dollars. Première main, il a busté sa première main du premier tournoi. Ça a repris depuis 3 minutes là. Donc voilà, on va voir. Alors okay. Ça vient de reprendre pour. Eh ben écoute, Steven, merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans quelques temps. Prends soin de toi, soigne-toi bien et reste fort. Ouais, reste fort. Change pas, reste toi-même. On t'aime, Steven. Allez, tu peux, c'est bon. Allez. À jeudi, Steven. Allez, bisous. Ciao, ciao. Attends qu'on ait coupé la caméra avant de te mettre sur Pornhub. Vas-y. Allez. À toute, Steven. Bisous. Abonne-toi à ma chaîne. Je voulais juste faire une parenthèse. La qualité de l'appel de Steven, je pense que c'est 2. On va lui mettre. Mais lui, une étoile. Non. Mais lui, une étoile. Mais qui a l'habitude. On va lui niquer son Uber. Je peux faire juste une parenthèse sur Non, non, pas du tout. Nous, on n'est pas parenthèse. Allez, c'est là. Vas-y, fais une parenthèse. C'est pas une musique, c'est une musique de parenthèse. On allait faire une choré avec Jules. Je faisais des home games depuis 2006, après que je suis rentré dans le poker, et les mecs avec qui je faisais des home games à 20 balles riba, ils me disaient, la première question qu'ils me posaient, c'est « Hey, tu connais Bruel, il est sympa, tout ça ?» Je sais exactement ce que tu vas dire. On l'a tous dit tout le temps. C'est on vrai l'a tous vécu. Ouais. Ah, et maintenant, la fin de ton histoire, c'est « Et maintenant, les gens me demandent si je connais YoViral. » Mais grave, mais je suis tombé par terre. Je suis revenu, ça faisait genre 6 ans que j'avais pas joué avec eux, je les revois, ils apprennent que je suis dans le poker, et la première question qu'ils me posent, c'est « Tu connais YoViral ?» Ouais. Putain, je savais pas quoi répondre quoi. Je suis tombé par terre. Du coup, moi je dis non. Tu dis non. C'est qui?
Moi, je dis abonne-toi à ma chaîne. Ah non, non, je dis pas ça, je dis non, Nagui. Voilà. Ah, il va être champion du monde. Alors, je lui souhaite, mais putain, mais franchement, c'est... moi aussi, mais, je lui souhaite. Mais 49 left. Dans le chat, ils sont à fond. Hein, ils sont à fond. Il est 40, 49 left. Il y a eu 3 bustos du coup depuis qu'on a repris là. Mais grave, je lui souhaite. Le mec. Grave. Vas-y, viral. Bon, messieurs, maintenant on rigolait, on était là, on est parti à Vegas, on s'est détendu, on a parlé de Liv Bory. Maintenant, les masques vont tomber. Exactement, maintenant nous allons parler des choses sérieuses. Ah, nous allons parler de cartes, de jetons, de poker et d'émotions. Nous allons faire la partie technique. Alors, j'avoue que j'ai cherché. T'as pas de jingle pour ta partie technique. Mais normalement, il y a Marie. Mais en fait, on a ça. Okay, elle est où? Mais Marie. Ok. Hey, chichi. Comment on fait pour gagner des gros coups? C'est la partie technique. Alors qu'on pourrait faire aussi, c'est la partie technique. Non, ça marche pas. Ah, tu t'es fail. Voilà, voilà. Allez, bouffe. Non, mais je te jure. C'est de la merde, ta tablette. C'est de la merde. Mais c'est pas la mienne. Mais c'est vraiment de la merde. Voilà. T'es là, tu t'appuies. Putain, j'appuie là. J'appuie. Non, mais tu peux pas me jeter cock-block. Tu peux pas me vanner avec ta tablette. Putain. C'est pas possible. Alors du coup, j'ai cherché à la base des mains de l'un de nos invités. Non, mais te retourne pas, Greg, je parle de toi, à la base. J'ai cherché des mains de toi, mais ça va pas être des mains de toi. Il y a marqué chichi. Une main de Media Event ? Non, il n'y a pas de main du Media Event, malheureusement. Et j'ai pas trouvé de main du WPT de Deauville complète, ou vraiment, je pouvais, à part des tapis. Bon, raconter un tapis, c'était pas funky, j'avoue, mais t'étais à 20 bébés, forcément. On fait ça, donc c'était tapis. Enfin, Tommy a fait ça pendant 10 ans, et moi, je continue. Hein. C'est vrai, mais du coup, moi, j'ai pas trouvé ça. Donc, j'ai pris des petites mains en ce moment. Il y a Dans la tête d'un pro avec Romain Lewis sur le 5K6 Max. Ah, mais on l'a déjà vu. Hein? On les a je vus. M'en fous, le but c'est d'en parler. J'ai pas vu encore. Il a pas vu. Bah voilà, il y en a deux. Ah. On est deux à l'avoir vu. Moi j'ai pas voulu me spoil pour moi, pas justement cette. Moi je ne participe pas, donc du coup la majorité ne l'a pas vu. Pour le coup. Donc on est en small blind sur la première main. On est sur les blindes 1000-2000. En T300, il y a le replayer. Tommy, tu peux te faire plaisir. En T-bouton, tu le fais à l'ancienne. Tu veux le faire à l'ancienne. Ok, partout si moi je le fais. En T-blind ou en T-bouton? On est en T-standard. Ok. On est en T standard, donc en T à 300. Et on ouvre Roi 6 suité en small blind. Tout le monde fold jusqu'à nous. Ici, est-ce qu'on relance? Est-ce qu'on limp? Est-ce qu'on fold? En big blind, on a un reg espagnol. 30 blind deep, ok. Ouais, on a un reg espagnol en big blind à peu près. Ouais, c'est ça, 30 blind deep, je crois. Ouais, c'est ça. Il a 57 000. Ouais. Ouais, c'est ça. 30 blind deep. Il a 60 000 en gros en big blind. Qu'est-ce qu'on fait du coup, Greg? Professionnel d'abord. Moi je limp call. Part pour limp call, ok. Ouais, c'est limp call direct. Bah ouais. Limp, le mec fait tapis, c'est call. C'est call. Bah ouais, direct. On y va. C'est un espagnol, attends, on le sait, hein, on le connaît. On lui met. Greg, il y a un mec qui fait. Qu'est-ce que vous faites? C'est à vous de parler, monsieur. Bah limp call. Il annonce déjà. Limp call. C'est limp call. Tu imagines, mec, tu peux pas faire tapis quand il dit ça. Si tu veux ouvrir deux as. Omar fait ça, hein. Omar fait ça en live. Bah, Lagdari? Ouais. Okay. Non, Maranade. Non, mais Omar, il pourrait y en avoir plusieurs, on sait pas. Il dit check call en fait. Il dit check et dans l'intention de call. D'accord. C'est pour faire tapis. Et qui a fait deuxième à la grande botte. Oui, deuxième. Il fait deuxième contre Jonathan. Il fait deuxième. Ouais. Ouais, alors qu'il est, chip leader à Heads Up. Et il défonce le leaderboard là parce qu'il en a gagné un, je crois. Non, c'est Jonathan qui est premier du leaderboard, mais ça joue à, je crois, un point ou deux. Je l'ai publié aujourd'hui. Là. Ah ouais, ça joue pas grand chose. Ouais, il y a un point ou deux avec Jonathan comme derrière. C'est bien rigueur PMU. Comme par hasard. Et deuxième, Brian Cariou, non? Non, Vincent Reinhardt, mais ça, c'est parce c'est que. C'est ça, ouais. La base, c'est la base. Mot de passe. Attends, Tommy est perturbé. Mot de passe Minette. Pour le free roll club poker PMU de ce soir. Alors vas-y, Tommy, du coup, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais fold. Open fold. Non, je déconne, je sais pas. Je vais faire comme Greg, je vais limp fold. Non, lui, non, Greg, il limp call. Limp call, pardon. Ok, on va limp. Et on va pas avoir l'occasion de call puisque ça va check. Donc, on voit un flop. Très beau flop pour nous. Valet 10-2 avec deux cœurs. Et un trèfle, nous on a deux carreaux et roi 6. Donc on a un backdoor rien et une over. C'est pas mal, backdoor rien avec une over. Ouais, backdoor quinte. On peut pédaler une quinte. Ouais, on peut pédaler une quinte, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on a, limpé la biblinda check, est-ce qu'on bet ici pour un petit peu prendre le coup? On se dit on a un avantage de range parce qu'il a, check. Ou est-ce qu'on check parce qu'on a juste air total? Greg. Mais sérieux, t'as pas une autre main? Non, non. Bah, tu m'as dit que tu l'avais vu, tu connais la solution, vas-y, démerde-toi. Non, mais. C'était pas l'épisode de cette semaine, ça. Ah, si, c'était l'épisode de cette semaine? C'est l'épisode de cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Cette semaine, je crois.
En général, il se fait pas chier, il regarde celui de la semaine. En général, je prends celui de la semaine. Parce en que général, c'est ça, il clique au milieu sur la time, voilà. sur la line. Et étant donné que dans l'annonce du CP Radio ce soir, j'ai vu un commentaire comme quoi, mais comme tu as une image de Nit ascendant coffre-fort, tu ferais pas le fou un petit peu quelquefois? J'ai envie de bet sur ce flop. Si, c'est le craquage de Nit. Tous les Nit ont un craquage à un moment. On connaît celui-là. Donc là, t'as envie de bet. Ouais. Tu pars pour bet, ok. Donc du coup, Il y a 5008 au pot. Je vais faire un petit 60% max, quoi. Ok. Ok, on part sur un petit, on va dire, 2500 à peu près. Ouais. Tommy ? Pareil. On part pour pareil. Le mec, il a gagné deux pics sur les events médias, il fait pareil, c'est pas possible. En fait, j'étais en train de penser à l'instant qu'Alex Rear était en train d'écouter l'émission et si je disais un truc, il allait se foutre de ma gueule. Mais du coup, on fait, parce que c'est quoi un peu le planteur, quoi. Il a commencé hein, quand t'as déjà dit que tu limp fold ou que tu fold. Bah, c'est deux barrels, c'est de toute façon turn, quoi qu'il arrive. Hein. Quoi qu'il arrive. Ah ouais. N'importe any card. Any card. Ok, on va check du coup, les gars, je vous le dis. Moi, on me demande pas, ouais, ça en bat les couilles. Hein, oh là là. C'est du tournoi, qu'est-ce que tu sais jouer de tournoi. J'aurais checké, moi. Mais je sais que t'aurais checké. Bon, j'aurais checké aussi. Et le reg espagnol, check back. C'est plutôt cool. On va voir. En général, c'est tout le temps soit un 6 soit un roi turn pour que la main soit intéressante. C'est un 6 turn. Il est nu, il m'énerve. Il me jure, j'ai pas vu la main. Tu sais que c'est un 6 parce qu'un roi c'est pas intéressant. Un roi, la main. Je sais. Donc c'est un 6 turn. Là, du coup, ça devient intéressant parce que maintenant on a fait une paire. Et donc là, est-ce qu'on bet ? Il deux barrels. Bah ouais. Ouais, deux barrels, c'est facile. Bah tu bloques deux paires. Bah ouais. Tu bloques deux paires, donc deux barrels pour on part pour deux barrels chez Greg. Je fais cher, moi. All-in. Ok. Je fais 60-70% pot, là. T'es très 60% pot. Ouais. J'ai l'impression qu'on a déjà entendu cette phrase. Je fais 60-70% pot. On part pour 60, Tommy, pareil. 60-70, pareil. Donc tu rebettes. Oui, comme Greg. Et alors là, étant donné qu'on a... Tu peux pas... Donc on a c-bet le flop, enfin nous on a check le flop, on peut tout fermer. Bon. On a check le flop, tu vas te calmer, t'as monté trois fois le mon ventoux, ça va. Allô. En roue arrière s'il te plaît. Monsieur, mon grand-père a fait 7 fois le Tour de France, monsieur. C'est vrai ? Oui, c'est vrai en plus. J'ai déjà entendu ça. Alors attention. Ouais. Mais c'est vrai, c'est magnifique. C'est vrai, c'est pas une vanne. Non, mais c'est vrai. Je te crois. C'est beau, c'est énorme. C'est énorme. On peut s'arrêter là-dessus. Gros bisous à papy. Non, je fais une dédicace à mon papy, j'ai le droit, ok. Je t'emmerde, c'est ma partie technique à moi. Il a fini ? Mais 7 fois ou pas ? Non, 6 fois il a fini. Non, mais dans le vrai Tour de France, non, il a fait le Tour de France. Dans le vrai de vrai. Son grand-père était vraiment une légende. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais respect total. C'était une légende du vélo. Respect. Alors, on part pour deux barrels chez. Team Poulidor, mais c'est vraiment Poulidor. Son grand-père, c'est Poulidor. C'est vrai que Poulidor a fait moins de fois deuxième que Ulrich, par exemple. C'est vrai. Ouais, on le sait, bah, bien sûr. Bah, il y a eu encore en allemand. Ça me bat les couilles. Bon, on est parti sur 60%. On va double check. Mais moi, il s'en bat les couilles. Non, mais c'est Percy, il va trop vite. Il va trop vite, moi, Percy. T'en fous quoi, putain. Percy, il va trop vite. J'aurais check. Tu check. Voilà. T'aurais check. Alors, soit tu check, soit tu bet très small quoi. Ok, donc on check. Là, on a notre espagnol qui bet la moitié du pot, 3000. Est-ce qu'on check call? Est-ce qu'on check raise? Est-ce qu'on check fold? Est-ce qu'on push parce que est-ce c'est un espagnol? Est-ce qu'on jette les cartes dans la gueule du croupier? Est-ce qu'on jette fold? C'est quand t'égorges le croupier? Non, je reprends ma cape de nid de fou et je just call dans ce cas-là, ouais. Ok, check call, Tommy. C'est une main dans la tête d'un pro. C'est une vraie main dans la tête d'un pro. Je me dis que Romain peut pas avoir fold et le coup s'arrête là. On passe à la main suivante, c'est pas possible. Détrompe-toi. Ça peut s'arrêter à la turn, on sait pas. Hein. Il peut check raise. Hein. Donc je dirais pareil. Pareil que quoi ça... Je sais pas. Pareil que quelle option? Bon, on fold pas en tout cas. Tiens, ça donne envie de lire tes coverages quand même. On part pour check call du coup. Check call, Tommy. Je vais tout niquer. Hein, Tommy, pardon, check call. Ouais. Ok, on check call. On check call. Je te donne le tap. On va faire comme ça. Tu peux faire un petit brag en passant ou pas? Tu peux faire un brag. Moi, on s'en bat toujours vraiment les couilles. Vraiment, 100% de décision. T'aurais fait quoi? J'aurais check call. Au 15 juin, au classement français, je crois que je suis 29e et Romain Lewis est 30e. Qu'il est nul. Il est nul. C'est un petit brag. C'est un petit brag en passant comme ça. Live poker ou GPI? Non, poker 52. La poker, je suis 16e. Excuse-moi, je suis 16e. Ah, parce que PMU annonce beaucoup chez 52. C'est pour ça ils sont bien classés. Alors, du coup, on va voir la river. Et je vais poser la question. Attends, qu'est-ce que ça va être la river? Attends, ça va être un truc. C'est une belle river. Voilà. C'est forcément un truc. L'as de cœur. Il a jamais d'as. C'est l'as de cœur. Il a jamais d'as, il a jamais la flush. Alors, le pot fait 12 000. Est-ce qu'on décide de bet pour transformer notre main en bluff river? Pour bluff. Est-ce qu'on décide de jet fold? Parce que voilà, on est chiant. On de fold en montrant le 6, tu vois. Tu open fold en montrant ta main et tu disais
C'est la dernière fois. Tu m'as eu. Ouais, c'est ça, c'est stop. Où est-ce qu'on check et on réfléchit ? Tommy d'abord. Comme ça, tu peux pas dire pareil. Ouais. Putain, j'allais dire Greg d'abord. Non. On check et on dit, tu connais pas Albert Selam ? C'est bague. C'est bague. Je check, il va bet. Et là, je tank une heure en lui disant, tu montes si je fold ? Et je lui monte le 6. Check, okay, fold. Super. Sauf que je fold pas. Alors, bon. Pour l'instant, Greg, tu check. Pour l'instant, tout le monde check. Ok, on check. Tout le monde check. Donc, on check. Et on va se prendre un bet pot. Il va mettre 10 000 dans 12 000. Ah oui, bah alors ça c'est plus facile par contre. Quasiment bet pot. Donc est-ce qu'on part pour check call ou il lui reste derrière 45 000, on peut lui check raise la gueule all in. Qu'est-ce qu'on fait, Tommy? Ah non, mais juste par contre. Il fait ça avec deux cœurs avec le roi de cœur. Qui, Big Blind? Oui. Il fait ça avec deux cœurs avec le roi de cœur, c'est-à-dire il a flush. Ah, je crois qu'il y a un problème de connexion. Ah, si il a flush. Les amis, le coverage reprendra demain. Bah oui, s'il a flush, s'il a flush. Après flush, je pense qu'il bet au flop. King high flush draw, il bet au flop. Et surtout, King high flush draw, ça voudrait dire genre roi 3, roi 4 de cœur, parce qu'en gros, c'est meilleur roi X de cœur, il va les raise. Ouais, quand tout même. Ce qui est roi 8 de plus, roi 8 plus, il bet. Il raise pré-flop, je pense. Donc du coup, il reste. Roi 8, mais ouais, roi 9, ouais, oui, roi 8 plus en tout cas. Roi 8 plus, il bet, quoi, je pense. Du coup, il a pas trop de combos de non, King. Non, franchement, moi, je suis quand même plus content qu'il fasse 10 000 qu'il fasse 3 000. Enfin, 4 000, ouais. un vieux 4 000 2. Enfin, tu sais, un truc entre un quart, enfin un tiers et un tiers, un quart, pot. Parce que ici, en fait, juste quand il pote, il rêve rien, en fait. Là, j'ai pas vu la main, hein, mais je suis un call. Il te reste 35 blindes derrière, quoi qu'il arrive. En fait, je suis assez d'accord qu'il rêve rien dans le sens où il a jamais de quinte. Enfin, roi dame, on l'enlève tout le temps. Il l'a jamais. River, en fait, c'est un as. Donc, en gros, quand il a pas d'as. Quand il bet pot, il se polarise en gros entre flush, en fait, deux paires. Les seuls as qu'il a, c'est deux paires et. Les seuls deux paires qu'il a, c'est as 2. Même pas as 2, il check turn. Mais c'est pour ça, Et en fait, c'est la seule paire qu'il a dans sa range. Ah oui, pré-flop. C'est le seul as 2. Bien sûr, je suis d'accord. As 6 aussi, as 6. Ouais, as 6. As 6. Mais sinon, en gros. Il peut pas avoir les cœurs. Non. Bah, enfin, les cœurs, en fait, franchement, en gros, il a peu de cœurs, rarement, je pense. Genre, parce que... il peut avoir genre des mains genre 8 et 4 de cœur qui décident de check back flop de temps en temps. Mais bon. c'est pas un 1000 balles. En fait, c'est assez rare qu'il ait. Je pense que les seuls cœurs qu'il a, genre, il va peut-être check back, genre vraiment 10-3 suits. Non, 10-6 de cœur. 10-6 de cœur, c'est une main qui peut. C'est les seuls. 10-6 de cœur, c'est une main qui fait sens. Mais les mains pourries. Flop, t'as aucun intérêt de enfin, flop, tu check back, turn, tu commences à avoir. 6-9. Non, les 6, tu les bêtes. 6-7 de cœur, au flop, tu bêtes. 8-9, tu bêtes tout le temps. Donc il a pas les cœurs. Il y a que 10-6 de cœur. Ouais, il a 10-6 de cœur, ça fait quand même quelques combos. Une dizaine de combos quand même. 10-3-4, 5-7. Mais 10-6 de cœur, il est bête au flop aussi dans ce cas-là. Non, parce que t'as pas d'intérêt. En gros, t'as une paire qui a un très mauvais kicker. Pourquoi miser, en fait? Tu fais quoi comme ange? C'est un espagnol quand même. Qui part pour hero call et qui part pour hero fold? Parce qu'on est très d'accord qu'on va jamais check raise. Moi, quand le mec a pot, moi ça me donne quand même plus envie de call. Mais ok, on part pour call chez comment? Je call chez Greg. Call. Part pour call. On a call et on a perdu cette main. Alors qu'est-ce qu'il avait? Alors qu'est-ce qu'il avait? Allez, pronostic, une main chacun. Greg. Greg a vraiment oublié l'épisode déjà? Ouais. Bah oui, je l'ai vu dans le train avec toi pour entendre la grande motte où je me suis endormi dessus, donc tu peux en témoigner. Quand j'ai check back, bet turn et pot river ici, genre je vois pas une main à part A6, 6-2, enfin tu vois des mains comme non, ça. Non, il a le valet peut-être, ouais. Non, il a pas de valet. Il a pas de valet. Un prono sur une main, vas-y. Greg. Lance-toi. Ah, ok. Moi je reste sur 6-9 de cœur. Allez. 6-9 de cœur. C'est la main banzai. 6 et 2 chez comment? En fait, c'est là. C'est... Et Tommy? 6 et 2, ma date de naissance. C'était pour troll. Ouais, je sais pas, 6 et 2, c'est les seuls qui font bientôt, sens, bientôt 100 ans, c'est beau, Tommy. Alors, t'étais sur la bonne logique. Il a pas 6 et 2, mais il a 10 et 6. Ce qui est assez logique. En fait, c'est les deux paires comme ça un peu. Ce qui est totalement logique. Il bet pas turn. Si, il bet 3000 turn. Ouais. Il bet 3000 turn et il pote quasi river. Moi, je comprends le call de. Je crois pas qu'il est. Je sais plus s'il a 10 de cœur. En fait, ça change. Même s'il a le 10 de cœur, ça change pas grand chose parce que nous, on va quand même. On va bet 9 flush draw. La main finale? Bah, sa main. Il a 10 et 6. Il y a un cœur ou pas? Je crois qu'il a pas de cœur.
Non, tu crois, ouais. Non, il a pas de cœur. Mais de toute façon, ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose. On a jamais flush. Nous, on a pas de flush. Donc, on va miser flush flop. Ça change pas. Tommy, reviens ici. Putain, mais Tommy, c'est incroyable. Tommy, il a une... mais je te jure, t'as quitté plus de fois le fauteuil que j'ai jamais, ça n'a jamais arrivé. Mais tu inscris la légende. Je crois que j'ai jamais autant bu que ce soir. On n'a pas encore trop bu. Allez, on va partir sur une deuxième main. Une deuxième main pour confirmer Tommy, que tu arrêtes bien ta carrière. C'est pas pour rien. Voilà, il y a des raisons. Faut aller dans My Table en haut. Est-ce qu'on peut faire une erreur au board ou pas? Ça ferait plaisir à Agloub, franchement. Une erreur au board. Déjà, il m'a envoyé un message, il dit excusez-moi, vous êtes sûr, c'est pas 91 jetons, mais 90. Alors, je crois que vous êtes peut-être sauvé parce que je crois qu'il y a un bug dans le replay. Quoi? Non, putain. Oh non, chichi, putain. Là, c'est pas, j'y suis pour rien, moi. Je vais essayer. Si, c'est toi, c'est marqué dessus. Attends, je vais brode un peu comment je... Alors, est-ce que ce serait pas vrai? Putain, non, pourquoi je brode? Alors, il y a les WSOP en ce moment à Las Vegas. Vous avez déjà entendu parler World Series of Poker, WSOP? Ça fait 50 fois qu'on entend parler. C'est le 50e anniversaire et il y a des super beaux bracelets, par contre, sans déconner. Vous avez vu les bracelets un peu Y Chauchon qui met un peu des photos de temps en temps? Ouais. Il y a des, enfin, genre bien personnalisés avec... Ils le sont tous ou c'était juste sur le, non, sur y a, le Big 50 là. Sur le, il y en a eu un autre là sur le... Allez, c'est le moment d'en parler. Après les bracelets, après les bagues, Alex Henry a quand même sorti la ceinture de boxe pour le DSO. Mais il a raison. Vous l'avez vu, mais il a raison. C'est bien fait. Ouais, c'est bien une joué. Super bonne idée. Ah moi, je trouve ça une super bonne. C'est une super bonne idée. Elle est bien. Moi, je trouve ça. Je trouve ça vraiment une très très bonne idée. Voilà. D'ailleurs, je comprends pas que personne n'y ait pensé avant la ceinture de boxe, quoi. Ouais. En fait, les trophées, c'est un truc. Ah, tu vois, quand t'es joueur, c'est un truc qui te fait rêver. D'ailleurs, nous, on les connaît pas dans la team, les trophées. On a toujours fait juste en dessous du trophée. Vous avez, en général, vous avez l'assiette. Ouais. Tu sais, quand tu fais deuxième de Roland Garros, t'as l'assiette. Vous avez plein d'assiettes. Ah, bah tiens, tu manges dans le deuxième de l'FPO, tu manges dans le deuxième du machin. Ok, c'est bon. Ah, j'ai brodé. I'm back, et je peux vous dire une chose, c'est qu'on n'a pas la dame de trèfle, donc il y a vraiment une erreur au bord. Enfin, okay. Au bord, on a roi-reine. On a roi-reine. Exactement, on a vraiment roi-reine, mais par contre, on a reine de pique, si je dis pas de bêtises. D'accord. En tout cas, on n'a pas de trèfle. D'accord. C'est important pour la main. De toute façon, comme je vous dis, hein, si vous voulez la trouver, la main, c'est la main juste après celle d'après, parce qu'il se fait pas chier en général. C'est la dernière main. Si vous voulez la trouver, c'est la dernière main. Du D2. On est juste avant la bulle. Ouais. C'est la dernière main du dernier épisode de Dans la tête d'un pro. Si vous voulez la main exacte, voilà. Par contre, vous n'aurez pas les stacks, parce que moi, je me fais chier à compter les stacks. Donc voilà. On retrouvera Romain Lewis la semaine prochaine ou pas? On retrouve Romain Lewis la semaine prochaine. Ok, donc c'est bon, donc il a pas bust. Exactement. De toute façon, on va voir la main, mais on ne peut pas bust. Donc je t'emmerde. Alors, on a ouvert. On ouvre Roi-Dame, Roi-Reine, pardon. Tout le monde ouvre Roi-Reine ici ou pas? Tu peux donner les positions pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas le... Qui n'ont pas le replay, bien entendu. Nous sommes en hijack, c'est-à-dire la position avant le cut-off, puisque nous sommes en 6-max, exactement. Soit UTG1 ou hijack. Allez, on MP, ça folle l'UTG, on a Roi-Reine. Roi-Reine, ici. 2.2. Roi-Reine off, on est à 2.2 chez Greg, Tommy. Pareil. Non mais vraiment là, 2.2. Là pour le coup c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Okay. On est là-dessus, on est sur du 2 points un peu plus, hein, de 2.2. On fait 4006. Le bouton va call, enfin le cut-off fold, pardon, il y a le cut-off avant. Le bouton va call, donc c'est un reg, bon reg, j'ai plus le nom en tête, j'ai mis reg, on s'en fout. Il a 110 000, donc le stack effectif c'est... Attends, 100 000. Exactement, le stack effectif c'est 100 000 et il y a 14 000 au flop. Le flop, donc on n'a pas la dame de trèfle. On n'a pas la dame de trèfle, c'est important. C'est pour ça que je précise bien. On a la dame de pique. On est super deep. On a 50 blind deep. C'est on est deep. On est bien. C'est les 100 blind deep. On est juste avant. On est juste avant la bulle. 50 deep. On est très bien. Ok. On est très très bien. Donc le board vient valet 9-4 avec deux trèfles et un cœur. Ah oui. On a roi dame avec la dame. Voilà. De pique, nous on a. Parce que sinon je comprenais pas. Okay. Voilà. Nous on n'a pas de trèfle. Ici, du coup, est-ce qu'on part? Donc on a une gutshot et deux overcards sans backdoor. Est-ce qu'on part pour ses bêtes tout le temps ici avec gutshot ou deux overcards, ou est-ce qu'on peut check pour avoir un autre plan? Non, mais il y a vilain qui va parler avant, hein, quand même. Il est... Non, c'est à nous de parler. Non, c'est le bouton qui a call. Il est en big blind, vilain. Il n'y a pas de big blind, on est en heads up. On est contre bouton. Il y a bouton qui a call, big blind à fold. On est que deux dans le coup. Il y a les cartes. Ça, c'est nous. Je voyais le... Non, mais je voyais le vert. Oui, moi aussi, je me suis... Non, c'est parce qu'il vient de fold, en fait. C'est l'action précédente. Ouais. Donc, on est que deux dans le coup. Ah, nous, on est à jack et on est contre le bouton. Tommy, c'est à toi de parler. Tu sais bête ou c'est tu check? Tu sais bête à combien dans 14 000 Comme Greg, 60-70%. On est sur un petit 60, un petit 8 000. On va dire 8 000 dans 14 000. Moi, je vais check.
parce que je suis un hit fou. Alors du coup, tu pars. Alors, quand tu check, c'est quoi ton plan? Tu pars pour check call, ouais. Check raise. On n'a pas la dame de trèfle. On n'a pas de trèfle. Ouais, je pars pour check call. Ça dépend. Non, mais check call, ça dépend de ce qu'il va faire en termes de sizing, ouais. Ok. Comment je? Snap check. Déjà, c'est snap check. On part pour check. Donc, on décide de check et le bouton va mettre mi pot. Il check back, pardon. C'est turn qui bête. Ouh là 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 là. Pardon, mais j'ai pas la main. J'ai pas la main écrite là. J'ai pas la main écrite. Je l'ai refait en deux secondes. Donc, on part pour check check. Laurent, faudrait qu'on parle. On se croirait sur un code red du PMU quand même sur ces bords. La turn. La turn, c'est le 10 de trèfle. C'est le 10 de trèfle et nous on a roi dame sans la dame de trèfle. Je précise, on a la dame de pique. Valet 9, 4, 10 de trèfle, le pot fait toujours 14 000 puisque tout le monde a check-check. Est-ce que maintenant qu'on a fait la quinte, on décide... La quinte papa. De bête, la quinte papa. On décide de bête ou est-ce qu'on continue de check pour un peu trapiche quoi? Tommy. Non, on te barrel. Ah toi, c'est vrai que t'as assez bête. Ah donc, bah oui. Voilà, par contre, oui. Il se trouve que t'as checké. T'as checké. Mais là, t'as checké. Là, on a checké. En fait, t'as dû checker de force. T'es obligé. Non, j'ai assez bête. Non, mais t'as pas le choix, t'as checké. Bon, d'accord. Eh ben, je bête. Donc tu pars pour bête combien? Dans 14 000. 70%, on reste là-dessus. Ouais. Exactement. Ok, un petit 60-70%. Greg, on a check au flop. Ah, il y a des gens très contents gens dans contents. L'immeuble. Pour une fois que c'est pas chez nous. Petit, un petit 6 000. Un petit 6 000 à moins que Mipo. Ouais. 40%. Ouais. On part sur un 40%. Ok. Intéressant. Moi, j'aime bien. Sizing 7 000. 7-8 000, ouais. On size 7-8 000 ici. 60% quoi. Tu bêtes toujours? On bête toujours? J'ai pas envie de laisser une carte gratuite quoi. Est-ce que je bête toujours? Je pense que je bête jamais toujours. Je vais quand même bête plus quand j'ai pas de trèfle. Il va quand même bête. Je pense que c'est trèfle. Il va en check back une partie. Bah après, tu peux check raise aussi, mais c'est. Non, check raise. C'est juste. Qui est le joueur en... Ouais, en fait, la question c'est. Est-ce que tu check call? Ou est-ce que tu bêtes, mais tu check raise, genre check raise ici, c'est quand même, il est quand même flush quoi, en face, il y a des flush en face. Il a le droit de check back des As-4 de trèfle, des 4X de trèfle. Donc tu pars pour bet un gros pourcentage du temps si t'as pas de trèfle. Ouais, je vais bet alphapot, ouais. Ok, on va check. On connaît la grosse blinde en plus, sur un 5K tu la connais forcément. On va... C'est pas la grosse blinde, c'est le bouton. Hein. Le bouton, pardon. Le bouton, ouais. Ouais, c'est un bon reg, enfin j'ai plus le nom en tête. Comment? Daniel Strelitz. D'accord. C'est un... Ouais, c'est pas le pas le 888 il a gagné contre lequel il s'est fight. Il a gagné un bracelet cette année apparemment. Le 888 qui twitch tout le temps là. Il a quand même un nom de chewing gum, hein, mais bon. C'est pas lui. Alors le pot fait 14 000, il bet 7 500, donc il fait un mipo internet. C'était des M&M's, hein, mais bon. Il fait un mipo internet. Streets. Streets, c'était des M&M's. C'était des M&M's. Ah, t'as vraiment 40 ans. Oui, manger des Raiders, mec. Et on va check raise. on va check raise. Comment je... Ah, on va check raise. On va check raise. Ouais, parce que j'imagine qu'il estime qu'il n'y a pas de flush quand il a passé mettre le board. Évoqué, non? T'as évoqué un check raise? Ouais. Comment? J'ai dit non, jamais on check raise. T'es sûr qu'il n'a pas la dame de trèfle? Non, je suis sûr qu'on n'a pas la dame de trèfle. 100%. Ça, je suis vraiment sûr. On n'a pas la dame de trèfle. Donc, il a bet 7500 au bouton. Nous, on check raise à 22 500. Et notre ami au bouton va call. Donc, le bouton call. La river, c'est pas une blanque, mais elle n'est pas trop mal pour nous. Ouais, c'est l'8 de cœur. Donc là, il y a. Ah, elle change un peu. C'est que toutes les. Ça change pas grand chose parce que quand tu check raise ici turn, tu. Enfin, en gros, tu check raise flush ou. Non, mais ça change sur la range que tu veux value river, quoi. C'est-à-dire que maintenant, s'il avait par exemple une main comme dame valet au flop, tu vois, une main comme ça, il va call 100%. Il a des dames valet au bouton, tu vois. Ouais. Il va call 100%, il y a une flush au board, quoi. Donc c'est pas non plus. Bah ouais, mais nous, on a pas de flush, quoi. T'as des flushs comme ça qui jouent, toi? Bah, si tu checkerais jamais flush, oui, effectivement. Ouais, moi j'ai joué, mais. Pas, j'ai l'impression. Attends, juste pour l'info, 1000-2000, on est au D2, c'est ça? On est encore loin des. On est au D2, on est avant la bulle là, on est juste avant la bulle. On est juste avant la bulle. Juste avant la bulle. D'accord. On est juste avant la bulle. Je pense que Romain a clairement des flushs qui jouent comme ça. Oui, non, mais oui, sinon il n'y a pas évidemment. De sens. C'est obligé qu'il ait forcément. Il va avoir des SI flush draw, je pense, qui joue comme ça, quoi. Que des SI flush draw, je pense, qui check. Ou des 4X flush draw aussi. Des genre. Ouais, 4X flush draw, t'en as pas, quoi. T'as As-4 de trèfle, quoi. Et 4 à 5 de trèfle. Ouais, peut-être. Ouais, je sais pas si Open M. Ça fait que 2, ouais. Ça fait un peu. Beaucoup. Mais bon. Alors, du coup, la river, le pot fait 60 000 en stack effectif. Il nous reste 78 000. Donc, on a 1,3 pot, je crois, un truc comme ça. Là, est-ce qu'on continue, enfin, est-ce qu'on check ou est-ce qu'on value river? Et si on value, du coup, quel sizing on fait?
Greg. Moi, le pot est gros. Le pot est gros, c'est juste avant la bulle. Étant un peu conservateur, je check et je pense que je call quasiment tout si le mec fait 50%, 2 tiers, 3 quarts pot, quoi. Mais putain, c'est chaud, quoi. Ok, Tommy. Pareil. Non, sérieux. j'ai réfléchi depuis 3 minutes. Sais, Tommy, c'est le mec, quand tu vas au bar et qu'il commande, il attend qu'un mec arrive et il fait pareil. La même chose. Tu bêtes, le mec te chauffe, tu fais quoi? Bah tu fold. Voilà, c'est ça le problème. Ouais. Ah, t'as pas le choix, t'as pas de trèfle, tu bloques. Alors que là, il y a 60 000 dans le pot, il te fait. En fait, le problème aussi, c'est que quand tu check ici, sinon on check, on est tellement capé qu'on va se faire shove la gueule souvent. Je sais pas, je pense que en fait, quand tu check, ça. En fait, avec ta main, tu t'en fous de bête. Quand t'as check raise turn, quand nous on check raise turn. Toutes nos flushes qu'on a check raise turn, on va les bet river. Ça serait trop bizarre de faire check flop, check raise turn, check river flush. Ouais. On en a zéro. T'as zéro flush avec cette line. Est-ce que tu l'as fait à mode espagnol online, c'est-à-dire tu fais un tiers pot? Parce qu'ils aiment bien faire un tiers pot. Ouais. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression que si on check river ici, Moi je pense que c'est surtout que si tu check back, si tu check river, bah l'autre il va tout le temps check back en fait. Surtout que t'as envie de prendre de la value. Il va check back une tonne. Ici, en fait, t'as envie de prendre de la value sur quoi? T'as envie de prendre de la value sur valet 10, des dames. Valet 10, valet dame, ouais. C'est pour ça qu'en gros, je te dis que sinon, on check, si jamais on check la river, en fait, on check fold. On check call jamais. Après, ça dépend contre qui tu joues, parce que c'est un 5 à 6 max. Je sais pas, le mec, il a le droit d'avoir. Là, t'as 40 blindes encore. Hein. D'avoir des mains qui. Je sais pas s'il peut avoir des mains qui transforment en bluff, mais bon, il n'y a pas beaucoup de naked. Et il y a peu, de A6 off, ouais, c'est ça, il y en a peu, tu vois. Après, de toute façon, je connais pas trop les ranges de tournoi. Est-ce que les mecs, ça flatte. Si t'as As-Dame avec l'As de trèfle, est-ce que tu. Alors, du coup, on partirait plus pour bet, tout le monde plus. On bet. Je bet un tiers aussi pour faire call par deux paires. On part sur du 20 000, du coup. T'as deux options, soit tu fais un tiers, soit tu fais cher. Cher, tu peux. Alors, je pense. Après, cher, c'est pas mal. C'est juste que tu. En fait, cher, c'est bien, mais tu peux pas t'overbet jamais. Online, ce truc-là, tu fais 70% pot et. Ouais, 70% pot, oui. Ça, en fait, pourquoi tu. Ouais. En fait, là, c'est juste ta question. Bah, si tu bet un tiers, tu veux juste te faire call par deux paires. Ouais. Tu veux te faire call par deux paires. Ou par juste la dame. Oui, mais la dame, si tu bet deux tiers ou que tu bet un tiers, il va te call pareil. Non, si tu bet. En gros, quand tu bet. Quand tu bêtes deux tiers, dame. Le seul combo que tu c'est juste la dame, t'as la couleur et t'as dame roi qui pour moi, les seuls combos que tu veux value si tu bêtes deux tiers, les seuls combos que tu value, c'est t'as trois combos de valet 10, parce qu'il colle que valet 10 suit, donc tu value que ça. Et éventuellement, je sais même pas si ça 3 bêtes pas après flop, t'as quoi 2 10, c'est tout en fait. Si tu bêtes cher? Non, les combos que tu. De 9, il a pas, il bet au flop. Il va pas checker. Non, il a 9 et 10 suit aussi. Ouais. Il a. Ouais, ouais, okay, oh. 9 et 10. Si, peut-être. Bah si, 9 et 10, 9 et 10 peut-être, ouais. Il va call 4... check back et il va bet. 9 et 10, valet 10, ça fait chichi. Du sens. Je rejoins chichi, ouais. Je pense. Mais 9 et 10, je suis d'accord. Mais si, je suis d'accord. Pourquoi ça fait pas sens? Il colle au bouton, 9 et 10. 9 et 10, suité, il colle au bouton et flop, il va pas bet. Il va check back et turn, il va bet. Peut-être 2-10. Bon, ça fait quand même quelques combos, mais bon, pas. Ça fait genre. 10 combos, on va dire. J'ai envie de bet small, moi. J'ai envie de bet 16 000. Ok, 20 000 chez Comanche. On est 16 000. Bah, 18, un truc comme ça, quoi. Ok, 18 599 chez Comanche. Non, mais dans ce cas-là, si je suis ma logique, je fais deux tiers potes là-dessus. Donc, toi, tu pars pour cher. Ouais. Ok, on part sur du 40 000 chez Greg. En fait, comme Greg, parce que petit, ça induit ça te faire chier. Il y a 13 40 000 derrière, t'es pas, voilà, et 13 20 blindes. T'es pas loin de la bulle, t'es pas mort, quoi. De toute façon, même si tu bêtes. Oui, même si oui. Même si tu bêtes 40 000, t'es pas. Ouais, il te reste la moitié du. 40. 13, 20 blindes. On va faire tapis. Non, on va pas faire tapis. On va bête très cher. Enfin, dans 59 000, je crois qu'on fait 51 000. Ouais. Ouais. Okay. On part pour 51 000. Ouais, il va se faire. Il pense qu'il y a beaucoup de dames dans sa range. Dame valet, dame 9, dame 10. Ouais, il pense qu'il y a beaucoup de mains qui vont hero call. En gros, ce qu'il raconte dans la vidéo, enfin, dans la tête d'intro, dans l'épisode, hein. Il raconte qu'en gros, sa line. Elle est très originale, elle fait assez peu de sens de check call, check raise la turn. Et que du coup, il s'attend à se faire beaucoup hero call, en fait. Et c'est pour ça qu'il veut faire très cher. C'est ce qu'il dit dans l'épisode. Ouais, parce qu'en gros, ici, il reste 30 ici, 000 mecs gros, derrière, quoi. Il a pas check call. 15 blindes, ouais. Ça fait check-check flop. Il y a eu check-check et check raise turn. Oui, donc en gros, ici, il peut avoir des mains qui tournent en bluff, des rois X de trèfle, des As X de trèfle, qui va.
Et du coup, il s'attend à se faire pas mal air au call. Et bon, Vilain tank un petit peu contre son stack, etc. Il finit par call. Avec Dame 10 ? On est devant. Et avec je ne sais pas. Ah non, là, on connaît, on pas, connaît pas la main. On connaît pas la main. Il avait l'air assez emmerdé. Je sais pas du tout à quoi il a call. Je pense que t'es emmerdé avec toute ta range. Je pense. Ouais, avec ouais t'as il est emmerdé avec deux paires. Ouais. Il a callé avec deux paires. Je sais pas du tout à quoi il a call vraiment. Je sais pas s'il a deux paires ou s'il a une dame. Dame Valet. Il a quoi ? Oui, c'est ça. C'est, non, ouais, c'est ce que je dis. As-Dame avec l'as de trèfle. As-Dame avec l'as de trèfle, ça fait sens. Il a peut-être 3 bêtes préflop aussi, As-Dame. Pas sûr à la bulle aussi deep, pas sûr. Ah, contre Romain, ouais, je sais pas. Je sais pas, après moi je connais pas. Tu fais 3 bêtes, tu te fais 4 bêtes, tu folles alors que tu peux jouer en position au bouton. Je pense que ça se flatte pas trop mal. Oui, mais c'est toujours comme ça après, ouais. Mais... Ça se flatte pas trop non, mal. Non, mais je suis d'accord, hein, moi je suis toujours pour 3 bêtes, mais déjà s'il y a une position où tu vas le flatte un peu plus, c'est au bouton parce que tu. Après, le problème c'est que dans la tête d'un pro, enfin, c'est pas le problème, c'est que. Tu vois qu'un résumé des mains, donc tu sais pas si Romain était très actif. Non, Romain était actif. Romain, pour le coup, il a quand même été assez actif. Alors, s'il est assez actif et que t'as As-Dame, effectivement, tu vas quand même avoir tendance à 3 bêtes au bouton. Bah, après, t'es un peu emmerdé parce que, au contraire, s'il est assez actif, t'es aussi content de faire 3 As-Dame parce que tu domines toute sa range. Et puis, t'as pas envie de jouer des énormes pots à la bulle, je pense, avec des stacks comme ça, tu vois. Non, mais il a la dame là-dessus, le mec, il colle avec quoi, quoi. Ah, de toute façon, River, vu qu'il perd le coup, il a soit deux paires, soit une dame. Il peut pas avoir 50 000 autres trucs. Donc, vu qu'il est emmerdé, même avec une dame. En fait, avec une dame, t'es un peu emmerdé. Il a le 7. Non, il peut pas avoir le 7. Non, je vois pas trop ce qu'il aurait comme 7. Bah, 7 et 8. Non, c'est ça, ah, c'est deux paires. Ouais, non, mais 7 et 8. Non, ça existe pas. C'est deux paires ou la dame, ouais. Ah, si, 7 et 8. Ouais. Tommy est reparti. Ouais, 7 et 8. Insupportable, s'inviter. Ouais, 7 et 8 si t'as pas les trèfles. Il y a 8, deux combos. Genre, s'il a 7 et 8 de carreau et après. Et de pique, c'est tout. Après, est-ce qu'il va pas miser flop? Oh non, il peut check back. Moi, je pense que 7 et 8 de cœur et de trèfle, il mise flop. Non, mais il a un truc mieux que juste une paire. Bah oui, mais 7 et 8 de cœur, il peut pas, il y a le 8 de cœur, River. Oui, oui, bah, non, et au flop, je parle, il aurait bête, mais oui, bien sûr, il a pas. Donc River, il a qu'un combo de 7 et 8. Ouais, c'est bien joué, c'est gagné. 7 et 8 de pique, 7 et 8 de carreau. Ouais, carreau et pique, pardon. Ouais. Ok. Bon bah voilà, bah écoute, très bien. En tout cas, merci beaucoup Tommy. Un dernier mot pour la fin, Tommy, ça me ferait vraiment plaisir de te parler. Moi je tenais à dire que... Ah bah non. Ah, bah désolé. Tommy, Greg, donc départ dans une semaine. Ouais, le 20, on couvre le Monster le 22, avec juste les trois garçons, puisque Sarah arrive le 30, pardon. Ouais. Arrive le 30, ok. Oui, 4 jours Monster stack, tag team, on enchaîne direct. Et alors après... attends, j'ai pas compris, le tag team, t'as le droit d'être combien au maximum dans tag team 3. Et tu peux être 2. Tu peux être 2, ouais. 3 ou 4 même, je crois, cette année. Parce que je me rappelle que Duke Polk, qui l'a gagné avec Ryan Fee, ils sont 2. Ils sont 2, ouais. Tu peux être 2, 3 ou 4, je pense, ouais. Il n'y a pas aussi Liv Bory qui l'a gagné. Liv Bory l'a gagné avec... Un russe, là. Son mec, comment il s'appelle? Je crois que c'est l'année où nos deux poteaux, là, Dimitri Hayez et Rémi Bollinger, font demi-finale. De ce tag team l'année où gagne qu'est-ce qu'ils deviennent. Non, je rigole, je m'en fous. Non, ils ont un super resto à côté de La Rochelle, ouais. Où ça là? L'Atelier ça Burger. Mais où? Entre La Rochelle et les Saintes, je crois. L'Atelier Burger, c'est un resto de poisson. Putain, j'ai dû passer ouais, pas absolument, loin. Ouais. Super. J'ai dû passer pas alors, loin. Alors Tommy, on passe à la troisième main maintenant. Très bien, la partie en tout l'attendais. Tommy, nous, et du coup Liv Bory? Je viens de poser une question là. Ouais. Liv Bory? Non. Est-ce que j'aurais fold? Non, mais j'ai posé une question. J'ai entendu de loin, Tommy, je sais pas quoi. Ah, Tommy, ouais, vous me cassez les couilles. Vous me cassez. Tommy, quoi, la question non, il n'y avait pas de question, c'est ouais, vrai. Je me doutais. Bah, si, c'est quoi l'avenir? C'est quoi l'avenir? Ah, je sais pas. Je genre, sais pas. Non, mais pas ton avenir, l'avenir du monde. Ah, okay. Je sais pas non moi, plus. J'ai une vraie question. Ouais. Pourquoi? Parce que. Merci. On rappelle ou pas que Chichi a gagné le tournoi où il y avait Patrick Anthony? Attends, le seul que j'organise pas au Parc des Princes. C'est vrai, j'ai gagné un tournoi au Parc des Princes. Je suis assez fier. Alors moi, j'ai une annonce à faire. Moi, j'ai une annonce à faire pour Chichi. Parce que Chichi cet après-midi, il était tranquillou avec une petite nana, son petit rendez-vous Tinder sur le pont là à Saint-Michel, et il y a un mec qui le croise. C'est vrai en plus. Qui lui dit mais t'es Chichi? Genre voilà. Ouais, c'est vrai. Et tu, genre, t'es chichi. C'était genre comme dans un rêve. Quand t'es avec ton rendez-vous Tinder, il y a une meuf qui te croise, qui dit. Mais genre, et un mec qui te croise, il dit t'es chichi.
Les gars, si vous nous croisez, demandez une photo. Demandez un selfie. Demandez une photo. Putain, je vous jure, en plus, pas les choses à moitié, c'est putain. Vrai, j'étais à la Fontaine Saint-Michel, j'étais à côté, pas loin des studios, c'était blindé. Et un mec, il vient me voir comme ça, énorme, ça m'arrive pas. Énorme. Il avait son téléphone à la main. Il avait son téléphone à la main et j'attendais qu'une chose, c'est qu'il me dise, on prend un selfie. Putain, et il a pas demandé. Si tu m'écoutes, mets-moi un message sur Twitter. Merci, je t'envoie un ticket de tournoi. Si tu m'envoies un message sur Twitter. Et le problème, c'est que je sais pas qui c'est, donc je vais recevoir 10 messages sur Twitter. Il est con, ce chichi. Donc vous en aurez pas. Il est sympa, mais il est con, hein, putain. C'était moi. Putain, j'ai 15 mecs. Vous aurez pas de ticket, je déconne. Mais retweetez quand même. Donc voilà, donc si vous nous croisez, n'hésitez pas à demander un selfie. Un selfie à chichi. Ouais, ça me va. Là, tu m'excites un peu quand tu me le demandes comme ça. On peut faire un selfie chichi ou pas? Ouais, ça marche pas là. Ça marche pas. Non, mais là, faut que je sois avec une meuf. Ouais, comment, à la limite, quoi. Ah ouais, par contre, ouais, si tu veux bien me dégoûter, vas-y, viens me voir pendant que je suis avec toi et demande un selfie à Chichi. À Chichi, comme tu dis. Voilà, bon, bref, en tout cas, c'était mon petit moment break de la journée. Ça m'a fait ma journée, j'étais tellement content. Ah bah là, je peux te dire qu'on va l'entendre. Ça t'est déjà arrivé, Greg, un selfie? Oui, au Florida Poker Tour. Ah oui, non, mais là, ça compte pas. Quand t'es un tournoi de poker, mais non. Quand t'es un tournoi de poker, ça compte pas. C'est poker vacances. Oui, ça compte pas, mais non, il y a un rapport avec le poker. Ça compte pas. Alors, je citerai pas de nom, mais effectivement, il y a un mec du Florida qui a dit à Flo, vas-y, viens au Florida. Elle dit non, elle fait, mais vas-y, c'est trop bien, on fait des selfies toute la journée et tout. Et donc, voilà. Voilà. Ah, ça m'est arrivé à Cannes aussi. Le groom de l'hôtel à Cannes. Il m'a demandé. J'étais avec Olivier P. Mais le je braque, j'en profite. Tu sais, c'est charcophage sur PMU, le groom de l'hôtel. Non. Le mec du. Du Grès ? Le mec du Grès ? Ouais, ouais. Ah oui, oui, si, si, non, je te confirme. C'était pas... si, si, si. Alors, regarde, il va sur... Non, c'était ça là-bas. Mais c'est pas lui. Non, c'était pas lui. Parce que c'était pas le Grès. Non, c'était pas lui. Non, c'est vrai. Non, j'étais avec Olivier P. En plus, c'était marrant parce que. Et il connaît pas Olivier P. Il en a rien à foutre. Et il vient. Je le salue parce que je pense qu'il nous écoute. Je sais qu'il écoute les émissions. Voilà, je fais des gros bisous. Des bisous à Cannes. Et c'est ainsi que se termine cette émission. Merci beaucoup à tous d'être restés jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui sont sur Twitch. On ne connaîtra pas votre nom puisque vous n'apparaissez plus à l'écran. Merci. Mets-nous un petit coup de. Du chat Twitch. Voilà. Merci à Wolfie. Bah oui, bah Wolfie, de toute façon, c'est la tenancière du bar. Elle est là. Steven, allez, les gars, on ferme. Steven 3300 aussi. Steven 3300, attends. Poker Academy qui est là. Qui nous dit allez, yo viral. Surtout, demandez des selfies à comment, s'il vous plaît. Allez, yo viral. Yoda 78, un selfie. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. On vous aime, on fait des gros bisous. Greg, merci beaucoup. Tommy, je vais dormir là. Tommy, j'ai envie de te dire. Attends, tu dors là? Je dors ici. Viens, on dort ensemble. Moi, je dors ici. Parfait. Je suis en voiture, c'est pas possible. On fait une after de ouf. Bah oui, on va où? Allez. Vas-y, chaud. Attends. On va dans un cercle. Bon, on va à la base, d'after, il me dit on va dans un cercle. Ça fout de jouer au poker maintenant, quoi. Mais ouais, j'ai pas dit. Tu veux me bourrer la gueule? Pour foutre la merde. On va aller au karaoké, tu vois. On va se kiffer. Tommy, merci beaucoup pour ces 10 années de. Je vais cracher sur merci comment. Beaucoup pour ces 10 années de coverage. Bah, en fait, c'était 9. Hein, j'ai lu toutes tes coverages. Ouais, bien sûr. Tous. C'était 9. 9 coverages. T'as fait que 9 coverages en 10 ans. Eh, hey, sérieusement, je crois que j'en ai fait 150. Je crois qu'il n'y en a plus que 10 en ligne. C'est un truc de ouf. C'est vrai? Ouais, ouais. Les Poker 52, ils sont tous effacés. Les partouches, il n'existe plus le site. Et Unibet a fait un nouveau blog l'année dernière, ce qui fait que j'ai 5 ans effacés. Ce qui fait que si j'ai des petits-enfants... À part la vidéo de Liv Boré, je pourrais pas leur prouver que j'étais dans le poker. Si, tu peux leur montrer ma vidéo où j'ai gagné au Parc des Princes. Grave. Voilà. C'est bon. Plaisir. Le montage. Putain, le mec compliqué. Arrive à braguer deux fois sur la même histoire. Sur un free roll et sur un free roll. Sur un free roll. C'est ça qui est fort. T'as pris combien? J'ai pris des lots. Des lots. Non, une trottinette. Non, j'ai pris un iPad, une bouteille de champ. Attends, la bouteille de champ elle vaut 300 balles. Même pas un putain de bouteille de champ. C'est quoi comme bouteille de champ? C'est, je sais plus, mais je l'ai chez moi, c'est un énorme magnum. Nicolas Lafayette. Non, c'est pas wow, un Fayette. Waouh, putain. Non, je t'enverrai une photo, parce que je l'ai pas ouverte encore. Jean-Paul Mom. C'est du Mom. C'est du Mom. French. Ah, c'est pas du Mom. French champagne. Voilà. Merci beaucoup, Tommy. On te souhaite vraiment bonne continuation. Le meilleur. Je vous suis, je suivrai tout, vous inquiétez pas. Mon Ventoux, tout ça. Mon Ventoux, Liv Boré, tout ça. Merci à Percy, à la Real et à Simon. Simon. Au son. Et puis Simon qui va nous accompagner la semaine prochaine.
Puisque bah, comme tous les deux mois, on est à Marrakech. À la maison. Ah non, c'est plus deux fois par an, c'est toutes les deux semaines. Hein, donc, Players Party le samedi soir au théâtre. Les c'est amis. Ça, à 19h. Ah, Players Party. Attends, plus Players Party et pas déqualifié. Le... Vous me taquinez sur le Darling, je parle à chaque fois. Greg, il a parlé que de soirée hein, depuis le début. Que de soirée. Bon, en même temps, si, on n'a pas le même âge non plus, Tommy. C'est ce qui intéresse les gens. Si, quand même. On a le même âge. Ah, vous avez le même âge. On a plus de 40 ans. Oui, ça va. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Ah, putain, il faut que je remette une musique. Allez, salut, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bisous, bisous, on vous aime, on veut que de l'amour.